Bonjour à toutes et à tous. L'inclusion scolaire des enfants différents se pratique depuis un siècle en Espagne et depuis 1977 en Italie. En France, en théorie, elle est la règle depuis la loi du 11 février 2005. Dans la pratique, nous sommes encore très loin du compte. Surtout pour ce qui concerne l'accueil des enfants porteurs d'un handicap cognitif comme l'autisme. Cependant, des efforts considérables ont été accomplis ces dernières années au sein de l'éducation nationale pour changer la donne. Aujourd'hui, des écoles s'ouvrent, des professeurs s'informent à l'accueil de ces enfants à besoins spécifiques en milieu ordinaire. Lentement mais sûrement, la France rattrape son retard. Pour accompagner ce mouvement, nous allons aujourd'hui donner la parole à des professeurs enthousiastes qui vont nous faire partager leur expérience et à des spécialistes du handicap dont le rôle est d'accompagner la scolarité de ces élèves à besoins spécifiques. Un grand merci à l'école Boulle qui nous fait le plaisir de nous accueillir dans ces locaux inspirants. Avant de vous présenter nos intervenants, je vous invite à regarder un petit film dédié à un élève porteur du syndrome d'Asperger, Tristan. Tout petit, Tristan était un enfant trop sage qui ne regardait pas dans les yeux et ne supportait pas qu'on le touche. Bon anniversaire, petit ours. Tristan ? Tristan ? Tristan, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Indifférent aux autres enfants, comme aux sollicitations des adultes, Tristan pouvait répéter les mêmes gestes stéréotypés pendant Tristan des heures et des heures. Au lieu de jouer avec ses petites voitures, il préférait les aligner par ordre de couleur. Les interactions sociales le laissaient parfaitement indifférent. Tristan a été diagnostiqué porteur du syndrome d'Asperger à l'âge de 7 ans par le professeur Bernadette Rouget au Céréza de Toulouse. Allez, vous pouvez rentrer s'il vous plaît. Il a aujourd'hui 9 ans, il est en CM1. Bonjour, vous pouvez vous asseoir. Jusqu'il y a peu, du fait de ses troubles praxiques, Tristan avait l'écriture grosse et malhabile d'un enfant de maternelle. Grâce à une psychomotricienne qui intervient chaque semaine à l'école pour rééduquer sa motricité fine, il a fait d'énormes progrès. Qu'est-ce que c'est bon ? Bah, c'est un adjectif. Mais quel genre d'adjectif ? Épithète. Oui, il a une épithète, tout à fait. Mais il est épithète du nom. C'est sa fonction. Il complète le mot ami. Le nom, sa fonction, pas sa nature. On regarde chacun nos cartes. J'ai eu que des durs. Des durs. Une psychologue et un éducateur du CESA-TSA interviennent périodiquement au sein même de l'école pour aider Tristan à identifier ses émotions et travailler ses habiletés sociales. Moi, j'ai fini. Déjà. Non, c'est pas cela. Le ballon brillant. Super. Mmh. Les pas dans la neige. OK. Alors, moi, celle que je préfère, c'est celle-là. Le clin de l'œil ? Ouais. Parce que les autres, c'est plus... C'est la bonne description, hein, on est d'accord ? Mais c'est plus facile. Voilà. Là, t'es allé chercher quelque chose un peu plus implicite. Ce qui nous est remonté à chaque fois, c'est le fait que... Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a, ce jeune ? Il va très bien. Et on leur dit, attention, c'est un handicap invisible. On les voit pas, en général. Ils sont plutôt sages, parce que très respectueux des règles. Ce sont les seuls jeunes dans les collèges qui vont lire le règlement intérieur. Mais par contre, ils peuvent être en grosse difficulté, notamment par rapport au décodage difficile des relations sociales, quoi. Soutenir un regard lui a longtemps été trop difficile, jusqu'à ce qu'un orthoptiste lui apprenne à fixer un point entre les sourcils de ses interlocuteurs, donnant ainsi l'impression qu'il les regardait dans les yeux. Maître, je peux aller écrire les calculs posés ? Tu peux. Pourquoi le corrige ? Te manque un stylo ? Tu as une préférence sur la couleur ? 200. Divisé. 5. Je prends 5 dans 5, combien de fois 5 ? Une fois. Ça fait 5, je fais moins, est égal 0, je descends mon 2. Montre-moi 2 doigts. Si j'en enlève, aucun. Combien il t'en reste 2 doigts ? 2. Alors qu'est-ce qui va se passer là ? Il en reste 2. Bon, il en reste 2, tout à fait. Je descends le 7. Quand on partage 5276 en 5, le résultat, c'est bien Thomas ? Le quotient. Et quel est ce résultat ?
1055. Et combien il nous reste dans ce partage, Tristan? Il nous reste un. Très bien. Il n'y a rien à dire, c'est super. Tu passes avec eux? Question de taille. Contrairement à Tristan, allez, bien des élèves porteurs du syndrome d'Asperger passent inaperçus aux yeux de leur entourage du fait de l'invisibilité de leur handicap. Fréquemment harcelés tout au long de leur scolarité, ils deviennent des adultes solitaires, repliés sur eux-mêmes, très vulnérables aux manipulations, ce qui entrave leur épanouissement personnel et professionnel. Certains développent un comportement asocial, voire paranoïaque, tant ils sont habitués à commettre des impairs sociaux et à parer par anticipation les réactions négatives de ceux qui ne les comprennent pas. On va faire plus compliqué, attention, hein. 10 sur 12. 1, 2, yes. Et à mon avis, il faut le travailler le plus tôt possible. Les habiletés sociales, c'est déjà reconnaître ses émotions, les gérer, les exprimer. Ensuite, savoir être le béaba avec les autres, quoi. Reconnaître aussi tout ce qui peut être de l'ordre aussi, de la, pas de la manipulation, mais quand les autres copains ils veulent l'embêter, voilà, il faut qu'ils sachent reconnaître 2-3 signes pour se dire « attention, lumière rouge, là, c'est pas mon copain, simplement parce qu'il me sourit, quoi. » Donc voilà ma sœur, Nuria, et là mon frère qui monte, Eloan. Grande, petite, toi t'es, elle a 10 ans, 11 ans, et toi t'as 7 ans. Tristan a eu la chance de grandir auprès de parents très vigilants. Le fait d'être encadré par une grande sœur et un petit frère neurotypique très proche de lui en âge a également joué un rôle fondamental dans son évolution. Chose qui l'embête le plus, oui, ça va être l'écriture. Dans l'acte d'écrire, pas dans l'acte de penser, pas dans l'acte de retranscrire, parce que là, il a des aptitudes comme les autres, voire parfois supérieures. Les moments d'interclasse pouvaient être difficiles pour Tristan, mais aussi pour les autres, qui des fois ne comprenaient pas pourquoi Tristan n'agissait pas comme eux. Parce que Tristan ne voyait aucun intérêt à faire certaines activités que les autres faisaient. Avec les barrières violettes et noires et tout, truc, il avait mis sur le... L'école d'Amélie a vocation à inscrire tous les enfants, quels qu'ils soient. C'est notre travail de faire tout le possible pour que ces enfants-là vivent ensemble. C'est comme le rôle de l'école. Il y a plus d'un siècle, dans les écoles qui étaient certes de l'autre côté de la frontière, l'handicap n'était pas mis à l'écart. Quel que soit l'enfant, puisqu'il était venu au monde, il avait le droit. Le droit et le devoir d'aller à l'école. Et on se rend compte qu'on a des écoles qui ont 120-130 ans, avec des rampes pour les enfants qui n'avaient pas de motricité. Qu'il y a dans toutes les écoles des gens adaptés pour la différence. Et que l'handicap dans le quotidien, il a été gommé parce que ce n'est pas un handicap. Ça peut être un plus pour la nation, si on sait l'utiliser. Mais l'école de la République, l'école de la France, c'est tout le monde doit être admis, quelle que soit sa différence ou ses différences. Ben c'est ce qu'on fait. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Anne-Emmanuel Perroux, professeur des écoles en maternelle dans l'Ain, Rachel May Sagboan, professeur des écoles en primaire en Seine-Saint-Denis, Isabelle Delmar, professeur des écoles en primaire et formatrice des enseignants dans l'Essonne, Marie-Laure Gros, AESH intervenant en école primaire dans le Limousin, ainsi que Lydie Laurent, enseignante spécialisée formatrice en soutien scolaire pour enfants porteurs de troubles cognitifs, Brigitte Nel, psychologue consultante certifiée du programme TEACH, et Simon Dejardin, psychologue spécialiste en analyse appliquée du comportement, autrement dit en ABA. C'est à vous trois que je vais poser ma première question. Qu'est-ce que l'autisme ? L'autisme, c'est un trouble neurodéveloppemental. L'enfant qui a de l'autisme, il va avoir des particularités dans le domaine de la communication et de l'interaction sociale. Chez l'enfant avec autisme, on observe aussi des comportements qui sont répétitifs. L'enfant a souvent des intérêts très restreints et qui rendent pour lui parfois beaucoup plus intéressant d'aligner par exemple des objets que de jouer avec ses pairs. C'est un problème de traitement de l'information, de perception de l'environnement? Alors on peut dire à l'heure actuelle vraiment avec certitude que oui, les enfants avec autisme perçoivent leur environnement différemment et puis ils pensent différemment. Souvent, on peut constater chez les enfants avec autisme qu'ils sont happés par un détail et que du coup, ils n'ont pas la vision globale d'une situation et du coup, ils comprennent beaucoup moins bien qu'est-ce qui se passe dans un contexte.
Donc c'est souvent le détail qui est plus important dans sa lecture de l'environnement. Est-ce qu'il y a un profil de l'autisme ou est-ce que, parce qu'on parle de spectre du trouble autistique. Justement, l'idée du spectre autistique, c'est que l'autisme, même si on groupe ça sous une étiquette, sous un diagnostic, c'est quelque chose de très hétérogène. Et d'un individu à l'autre, ça peut être très variable, justement, au niveau de la communication, des centres d'intérêt restreints. Donc, il peut y avoir des personnes avec autisme de plutôt bon niveau qui sont tout à fait capables de fonctionner quasi normalement comme vous et moi. Et puis des personnes pour qui l'aménagement de l'environnement ou le traitement de l'information est vraiment très différent d'une personne neurotypique. On peut aussi ajouter, parce que ça c'est un petit peu particulier pour les enseignants, que voilà, les personnes avec autisme en fait ont une motivation, on va dire, intrinsèque différente. Et on va dire, voilà, ils ont un sens social différent. Et ce qui va les motiver est souvent différent. Et ça, il faut vraiment savoir aussi en tenir compte pour pouvoir les accompagner sur le plan scolaire. Et juste pour les repérages au niveau de l'autisme, un enfant qui regarde dans les yeux et qui va vers les gens et qui parle peut être autiste. Oui, aussi. Oui. Un enfant avec autisme qui aime être avec les autres, qui cherche le contact avec les autres, il n'a pas nécessairement pour autant les codes qui régule ses interactions sociales. Donc, il va souvent être surpris parce qu'on va lui dire « ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas », mais lui, il ne sait pas nécessairement quel comportement adapter, par exemple, pour jouer avec ses camarades. On associe aussi souvent, l'autisme est associé avec des troubles du langage. Il y a des enfants qui ont énormément de difficultés d'élocution, d'expression. Et traditionnellement, on associe les troubles du langage, le fait de ne pas parler, à la déficience intellectuelle. Et dans le cas de l'autisme, ça, c'est pas le cas. Il y a des enfants avec autisme qui n'ont pas, on va dire, de langage vocal, mais qui utilisent la langue des signes ou qui sont aussi capables d'écrire et de communiquer en écrivant et qui avancent sur le plan scolaire. Et c'est vrai que c'est un petit peu perturbant parce qu'avant, on attendait que l'enfant parle, par exemple, pour lui apprendre à lire ou écrire. Et en fait, on s'aperçoit que si même ils ne parlent pas et qu'on leur apprend à lire et écrire, ça peut aussi devenir un moyen de communication pour eux. Et du coup, déclencher le langage. Oui. Et puis, il y a des enfants, voilà, qui... Je pense à une petite fille qui est scolarisée en Bretagne, qui ne parle pas et qui suit en CM1. Même s'il y a un décalage dans les apprentissages scolaires, ils sont tout à fait capables d'adapter, elles progressent. Et le groupe classe progresse aussi. Donc, c'est l'essentiel. Si on revient un petit peu en arrière dans l'histoire de l'autisme, on a d'abord pensé que c'était une maladie mentale. Donc, c'était plutôt un enfant qui était en lien avec la psychiatrie. Mais très tôt... aux États-Unis, dès les années 60, on a réalisé que ce n'était pas la meilleure façon pour accompagner ces enfants-là, que ce n'était pas de cette manière-là qu'ils pouvaient développer leur potentiel. Et du coup, on a commencé à enseigner ces enfants et on a réalisé qu'ils peuvent apprendre. C'est juste les stratégies pour les accompagner, pour leur enseigner des nouvelles compétences qui doivent être un peu différentes des enfants neurotypiques. Donc en fait, là, on a tendance en France à opposer le soin et l'éducation. Et en fait, vous êtes tous les deux psychologues, mais vous êtes psychologue spécialiste des sciences de l'éducation. Parce que les gens se réfèrent aux psychologues dans l'autisme comme des gens du soin, comme si vous étiez un peu des psychiatres, quoi. Et en fait, vous êtes des auteurs des sciences de l'éducation. Et en fait, dans l'autisme, c'est éduquer qui soigne. Absolument. Ça, c'est le traitement qui, à l'heure actuelle, est encore le traitement le plus efficace dans l'autisme. L'éducation permet à l'enfant de développer ses compétences. Il faut juste que l'éducation... elle soit proche du profil de l'enfant. Souvent, en tant que psychologue, on doit faire une évaluation de cet enfant-là parce qu'il ne va pas franchir les étapes du développement comme un autre enfant. Donc effectivement, comme disait Lydie tout à l'heure, un enfant, il peut très bien apprendre à lire et ne pas encore savoir parler. Et ça, on ne va pas le retrouver dans le développement ordinaire. Lydie Laurent, est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les prérequis de l'inclusion scolaire? Parce qu'un enfant autiste ne peut pas être simplement... déposé à l'école comme ça. Alors c'est vrai qu'en tant qu'enseignante, j'ai été confrontée à certaines difficultés pour pouvoir enseigner à certains enfants et du coup, j'ai fini par référencer une liste de prérequis qui me sont nécessaires en tout cas pour commencer à aborder les apprentissages qui sont dans les programmes scolaires. Par exemple, la mise en place d'un outil de communication. Voilà, si l'enfant ne parle pas, est-ce qu'il peut communiquer par le biais d'images? Est-ce qu'il peut communiquer par des gestes? Est-ce qu'il peut exprimer ses besoins primaires? Est-ce qu'il est aussi capable de comprendre quelques mots? Voilà, si l'enfant ne comprend pas les mots qui lui sont dits ou les images qui lui sont présentées, c'est difficile pour lui d'être dans la classe. Qu'il tienne aussi 5 minutes à table, qu'on puisse le toucher aussi pour pouvoir le guider physiquement vers des apprentissages.
qu'il puisse imiter quelques gestes, même si ce n'est pas une imitation très fine, imiter quelques gestes, et qu'on puisse aussi guider son regard vers les éléments pertinents de l'activité pédagogique qu'on va mettre en place. Et ça, vraiment, si on n'a pas ça, c'est dur. Et là, du coup, on a vraiment besoin de travailler en partenariat très, très, très rapproché avec des psychologues, avec des éducateurs. C'est là où vous intervenez. Ouais, seule l'enseignante dans la classe, si elle n'a pas ça, c'est vraiment très, très difficile. Brigitte Nel, vous êtes spécialiste du programme Teach, qui est un peu le précurseur des sciences de l'éducation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et comment vous intervenez pour favoriser l'inclusion scolaire, en fait? Le programme Teach, c'est un programme qui s'est mis en place en Caroline du Nord dans les années 60. C'est Eric Schoeppler qui est le fondateur de ce programme. À l'époque, les enfants avec autisme étaient plutôt soignés, donc ils étaient en thérapie. Et puis Eric Schoeppler, il a pris un petit peu le contre-pied. Et il s'est dit que plutôt que de culpabiliser les parents et surtout les mamans de ne pas créer un bon lien affectif avec l'enfant, ce serait mieux de collaborer avec les parents. Et ça a été vraiment très, très efficace. Et puis, il a avancé de manière très pragmatique en essayant de trouver des stratégies pour aider ses enfants pour acquérir de nouvelles compétences, pour vivre au mieux au quotidien, pour être plus heureux. Et petit à petit, basé sur cette expérience, se sont développées des stratégies. Et donc, le programme, il a 40 ans d'expérience maintenant. Et ces stratégies éducatives et pédagogiques se basent vraiment très fortement sur les particularités cognitives et neurosensorielles de l'enfant avec autisme. Le programme Teach, il va aider l'enfant déjà à mieux lire son environnement, à mieux comprendre à quel moment on attend quelque chose de spécifique de lui. À se repérer dans le temps et dans l'espace. Absolument. Pour apprendre à un enfant, quand il arrive en maternelle, où poser ses affaires, qu'il y a un moment où on enlève les chaussures et on met les pantoufles. Donc toutes ces petites transitions sont parfois difficiles pour un enfant. Donc là, l'idée, c'est avec une visualisation, clarifier pour lui, ici, on fait exactement ça. On s'assoit, on pose son petit sac, on change les chaussures. Et puis, vous voyez aussi, là, sur la gauche, qu'il y a un programme qui lui indique et qu'est-ce qu'on va faire ensuite. Donc, aussi bien l'espace va être important dans la compréhension pour cet enfant que la structuration du temps. Parce que le fait de ne pas percevoir la durée des choses et ce qu'on attend de lui et telle fonction dans telle tâche, dans tel espace, ça peut générer des troubles du comportement, du stress en fait, de l'angoisse pour un enfant. Si on faisait ce tournage et qu'on ne savait pas à quel moment on allait s'arrêter, ce serait vraiment très stressant. Donc je pense que nous tous, on a besoin de savoir combien de temps dure une activité. C'est juste que nous, on a une image mentale qui nous permet d'avoir une idée approximative. L'enfant avec autisme, il n'a pas cette représentation mentale. Et du coup, il faut concrétiser le temps. Donc, on peut le concrétiser, là, par exemple, avec des pictogrammes. Et puis, l'enfant, il sait, ah, d'abord, je dois calculer. Et puis, ce petit pictogramme, il va disparaître dans la pochette. Et il va avancer comme ça dans la journée, donc il voit qu'il avance. Et le fait de voir qu'on avance, c'est vraiment très motivant. Ça donne envie d'avancer, ça encourage. Et puis ça permet de mieux comprendre qu'est-ce qu'on va faire ensuite, donc de patienter, de différer dans le temps. Là, j'ai pris un exemple pour un enfant qui doit faire un trajet en voiture pour, par exemple, aller à l'école. Déjà, le fait de devoir rester attaché, ça peut être compliqué. Il ne comprend pas nécessairement que c'est pour sa sécurité. Et du coup, on peut visualiser pour lui le temps. Mais le temps en voiture, on n'a pas vraiment, nous non plus, de maîtrise. On peut être pris dans des bouchons. Donc là, par exemple, l'idée, c'est que le parent qui conduit, il peut de temps en temps donner un jeton à l'enfant et il voit qu'on avance sur le trajet. Et puis, quand on arrive à l'école, ben c'est le dernier jeton qu'on met. Et là, on peut lui dire oui, t'es vraiment Superman, parce que tu es resté attaché. Simon, tu es psychologue spécialiste en analyse appliquée du comportement. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on appelle l'ABA? Comment est-ce qu'on façonne un comportement? Deux questions. Ça fait deux questions. Voilà, hein. Okay. Donc, l'ABA, c'est l'application des principes de l'apprentissage du comportement. Donc ces principes qui ont été découverts il y a maintenant 70 ans facilement. L'application de ces principes à l'apprentissage et pour les personnes dans le quotidien, donc aussi bien pour nous dans notre vie quotidienne, mais effectivement surtout pour les personnes avec besoins spécifiques, autisme. Et notamment un des principes vraiment fondateurs de l'ABA, c'est l'utilisation du renforcement, c'est-à-dire l'utilisation d'une conséquence agréable suite à l'émission d'un comportement, d'une réponse, pour que ce comportement se reproduise à l'avenir. Donc c'est vraiment la stratégie principale qu'on utilise en ABA.
Et donc, effectivement, dans le cadre de l'inclusion scolaire, là, on va utiliser ce principe de renforcement pour développer une communication fonctionnelle chez la personne, qu'elle soit par le biais du langage des signes, par le biais d'échanges d'images, du pointage ou du vocal. Et le fait de développer cette communication fonctionnelle et d'autres comportements, d'autres attitudes qu'on appelle comportements pivots, comme le fait d'être capable d'attendre une certaine durée, le fait de lever le doigt quand on a besoin d'aide, ou toutes ces petites choses-là qui font que dans notre environnement, nous, on peut fonctionner. Tolérer que la maîtresse s'intéresse à d'autres enfants. Par exemple, aussi, voilà, tout ça. Hein. Donc, c'est vrai que ce principe de renforcement, on va pouvoir l'utiliser en utilisant soit du renforcement social, si l'enfant est sensible au social, comme des gratifications, des félicitations, super, t'es bien resté assis, tu as bien travaillé, ou ce type de renforcement comme l'économie de jetons, qu'on utilise aussi très souvent et qui est justement, dans le cadre de l'inclusion scolaire, très efficace puisque assez discret. Et, voilà. Donc, en gros, ce sont ces principes-là qu'on va utiliser. Moi, j'ai beaucoup appris en tant qu'enseignante en étant formée aussi à l'analyse appliquée du comportement. Parce que du coup, on apprend à observer les élèves et à gérer les conséquences derrière, c'est-à-dire le renforcement, apporter des choses qui vont être agréables pour l'enfant, qui va lui donner envie de continuer dans ce sens-là. Et en fait, c'est le moteur de l'apprentissage. C'est ça qui va faire que l'enfant est motivé. En fait, la motivation n'est pas un prérequis, mais une conséquence. Et les enseignants comprennent qu'en sachant observer l'enfant et en gérant après les conséquences derrière, on arrive vraiment à guider des enfants et une classe. C'est, voilà, moi, j'étais ravie d'apprendre ça. J'étais après aussi un petit peu en colère de ne pas avoir appris ça en tant qu'enseignante au départ, surtout qu'on sait que ça existe depuis longtemps. Et c'est vrai que c'est vraiment très, très précieux. Un des freins majeurs à l'inclusion scolaire des enfants autistes quand ils sont tout petits, c'est la peur par les enseignants, une peur qui peut être légitime, hein, des troubles du comportement de l'enfant. Et voilà, c'est vrai qu'il s'explique comment l'ABA intervient pour apprendre à un enfant à gérer ses comportements, à tenir à table. Comment ça se passe? Déjà, la philosophie de base, hein, d'une application de l'ABA, c'est d'être foncièrement optimiste. Et donc, dans l'idée que même un enfant avec autisme de très bas niveau de fonctionnement, il peut apprendre des compétences. Donc, nous, notre objectif, ça va être de développer les compétences qui lui manquent pour remplacer ces troubles du comportement. Ces troubles du comportement, dans un environnement donné, ils vont lui servir à quelque chose. Ils vont lui servir à éviter une tâche compliquée, à échapper à une consigne, à échapper à une personne. Ça veut dire quelque chose. Voilà. C'est pas, il a des troubles parce qu'il est autiste, non. C'est parce qu'il y a quelque chose de concret qui le gêne. Il y a dans l'environnement quelque chose, à un moment donné, une stimulation sensorielle qui est peut-être imperceptible par nous et les autres enfants, un bruit distant, une lumière, etc. Peu importe, ou la proximité sociale, le fait qu'on le touche ou que d'autres enfants le touchent, l'embêtent, etc. Tout un tas de variables de l'environnement qui peuvent générer à un moment donné un inconfort, quelque chose. Qu'est-ce que cet enfant-là a comme chat à un moment donné? Sans communication fonctionnelle, de dire « arrête de m'embêter » ou « je veux sortir » ou « je veux changer de place », taper, griffer, se mordre, crier, pleurer, se rouler par terre. Ce sont les comportements qu'il a pour l'instant ou qu'elle a à sa disposition. Donc nous, l'objectif, ça va être de partir de ce constat-là et de lui enseigner des compétences de tolérance, effectivement, de demander de l'aide, et encore une fois, hein, par tout un tas de possibilités, d'autant plus maintenant avec les outils numériques, on a des applications sur les tablettes, sur les téléphones qui permettent d'utiliser des outils de communication augmentée, enfin, voilà. Donc notre objectif, ça va vraiment être de développer ces compétences de communication-là qui vont venir remplacer petit à petit les troubles du comportement. Voilà. Je pense que ça doit vraiment être très clair, c'est que les troubles du comportement ne font pas partie du diagnostic de l'autisme. Ils sont vraiment une conséquence parce que l'enfant, il n'arrive pas à comprendre ce qu'on attend de lui et il n'arrive pas à lire son environnement. Donc il y a aussi beaucoup, beaucoup de stratégies qu'on peut mettre en place pour vraiment répondre à cette compréhension différente des enfants avec autisme pour qu'ils n'aient pas besoin des troubles du comportement. Avant de nous tourner vers nos autres invités, je vous invite à regarder un deuxième petit film consacré à l'inclusion scolaire d'un enfant autiste typique, Victor. Tu vas à l'école. École. Tu vas à école. Tu manges à la maison. Tu vas ensuite à école. Articule bien, chérie. À toi. Allez, tu sais écrire. Vas-y. À l'école. Vas-y. Bien. Si. Tu travailles bien.
tu as les 3 points, tu viens de l'école avec les 3 points, tu auras ton Lego. D'accord? Céline va la récupérer. Et si je vois ton contrat rempli, oui, tu auras ton Lego ce soir. T'es d'accord? D'accord. Super. Allez. Allez, chérie. Victor a été diagnostiqué à l'âge de 3 ans, autiste typique. Aujourd'hui âgé de 9 ans et demi, il est scolarisé en CE1. Bonjour. 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 Allez, 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 dépêche-toi. Oui. Bonjour. La date, on n'oublie pas de sauter des lignes. Céline est employée par les parents de Victor par le biais de l'association TSA 93, conventionnée par l'Éducation nationale. Elle fait partie de l'équipe de professionnels qui intervient régulièrement auprès de l'enfant. Psychologue, orthophoniste, psychomotricien et éducatrice du CESAD. Mon rôle, ça va être de décomposer les consignes pour Victor, de le faire fonctionner en étapes pour un petit peu faire en sorte qu'il puisse, lui, décomposer aussi ses compétences. Par exemple, on va avoir le souci de double consigne parfois, mais pour un enfant autiste, c'est trop compliqué. Donc on va décomposer ça en étapes où il va pouvoir, lui, montrer ses compétences une par une pour au final avoir le même résultat de l'exercice, sauf que pour le Victor, du coup, ce sera simple. Je suis là aussi pour rappeler la consigne et pour le guider, si besoin, verbalement ou gestuellement. Qu'est-ce que c'est? C'est une... Je... Victor? Je... Maison ou maison? Mais zon, c'est le son z. Victor, c'est le son z. Victor fait partie de la classe. C'est un enfant que j'ai accueilli. Moi, je le considère pareil que les autres. Il a sa petite différence personnelle, mais voilà, il fait partie de la vie de la classe. Merci. Moi, je prépare et sur le moment, Céline et moi, on s'adapte en fait. C'est comme en classe. C'est un élève que je considère comme les autres. Ben voilà, il y a des fois, ben, on prévoit des choses, ça passe pas, comme avec les autres élèves. J'entends. Là. Quand il aura fini, je vais reprendre avec lui les petits dessins. Oui. La séance est prévue pour la classe. Et pour Victor, ce qui est adapté, c'est la façon dont on lui présente. Céline et moi, on essaie de trouver les petits mots ou la petite chose qui va lui permettre de mieux comprendre. Après, ce qui est un peu perturbant pour lui, c'est le fait de le voir. Ah. Alors que dans le mot, ce serait un... Ah oui, un lit, bien sûr. Là, ça pose pas de problème. Mais par exemple, ici, maison... Il faut l'entendre. Et le z en rouge. D'accord? Tu as un zèbre. 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 D'accord. Là, tu connais? Musique. Ça, c'est un personnage qui s'appelle Zorro. Zorro. Tu vas coloyer. Pour les signes, j'utilise deux méthodes. Il y a la méthode Borel-Mézoni. Donc, on va signer les sons. Pour un mot qui va commencer par le son que, je vais signer juste le que qui se présente comme ça. Et Victor va tout de suite reconnaître le que, il va le prononcer et ça peut lui servir à amorcer un mot. Victor. Fusée. Fusée. Victor, qu'est-ce qu'a fait la petite fille là? Avec la corde. Elle. Comment on dit? Saute. Oiseau. C'est un oiseau, mais c'est un petit oiseau. Poussin. Il progresse à son rythme, il progresse avec ses connaissances, il prend confiance dans des choses. Il a le travail de classe, voilà, comme les autres, mais dès qu'on voit que ça passe pas ou que c'est pas du tout, c'est pas quelque chose qu'il va pouvoir faire, eh ben, il y a toujours quelque chose d'autre. Il faut toujours avoir quelque chose de côté. 1, 2, 3, 4. Même s'il n'a pas le niveau, ça ne me dérange pas. C'est pas... Non. Moi, voilà, il apprend à son rythme, comme tous. En fait, moi, j'ai l'habitude de dire que Victor, il est comme il fait partie de la classe, et c'est un enfant de la classe, et chaque enfant apprend à son rythme et apprend à des moments différents. Lui, c'est pareil.
J'utilise la méthode Makaton, où là, ça va être un peu plus proche de la langue des signes, donc plus pour des actions. Se lever, s'asseoir, écrire. Dans la cour, les enfants l'utilisent avec lui, courir. C'est très visuel, c'est très simple, ça marche bien avec Victor. On leur a fait des petites séances où on leur montre le principal pour qu'ils puissent communiquer au maximum avec Victor, surtout dans la cour. L'idée, c'est d'aller vers lui et vraiment d'encourager au maximum, le féliciter, exagérer un petit peu tout ce qui va être félicitations sociales, en lui faisant des guilis, en lui tapant dans les mains. Donc je leur explique qu'il ne sait pas jouer comme eux. Pour eux, c'est naturel, mais pour lui, il faut lui montrer ce qu'on attend de lui. Et ça fonctionne bien, il lui montre maintenant, par imitation, ça fonctionne beaucoup mieux. Et puis, pareil, ils vont pouvoir taper dans les mains quand il réussit. Et tout ça, ça participe à ce que Victor soit plus proche des élèves de sa classe. Victor, il n'est pas si différent que ça, c'est juste qu'il a une maladie. Mais sinon, il est comme nous, c'est un enfant, c'est un être humain. Il respire comme nous, il peut parler. Donc, il n'a pas vraiment trop de différence. Quand il tombe, on le relève. Et Céline, elle nous a dit que quand on court, il regarde nos chaussures parce que ça fait des différentes couleurs. Vous pensez à jouer avec lui, faut pas le laisser tout seul. Et surtout, faut l'aider quand il sait pas. Surtout, des fois, Victor, il tape ses mains sur le sol et quand il voit la terre, il la frotte. Ça lui fait comme ici. Il joue avec une personne, sauf que non. Ben, des fois, toujours dans la cour, et ben, il bouge ses mains en poussillonnant parce qu'il aime bien voir les trucs qui bougent parce que ça lui donne plein d'explications. Je pense qu'ils vont grandir avec l'idée que tous les enfants, même si ils sont différents, ils font partie de leur vie et c'est bien de les avoir en classe. Enseignante en maternelle, est-ce que vous pourriez nous raconter dans quelles circonstances vous avez accueilli un enfant autiste dans votre classe? Alors moi, en fait, j'ai démarré l'enseignement quelques années avant la loi de 2005. Donc j'ai pu, observer ces changements. Et il y avait ces classes qu'on appelait thérapeutiques, qui étaient dans les hôpitaux, qui ont été finalement transférées dans les écoles, qui sont devenues des CLIS. Donc j'ai pu apprendre à travailler aussi au milieu d'enfants qui avaient des problématiques particulières qu'on ne voyait pas avant dans les écoles. Et maintenant, quand j'y pense rétrospectivement, je vois des troubles autistiques, je comprends mieux les difficultés des enfants, mais à l'époque, finalement, je ne connaissais pas les particularités de ces enfants. Et puis, petit à petit, au fil de mon expérience, eh bien, j'ai accueilli des enfants à besoins particuliers dans ma classe, dont des enfants autistes. Au cours de mon expérience, j'ai été amenée à accueillir des enfants, soit qui avaient un accueil qui était déjà prêt, avec une auxiliaire de vie scolaire, des équipes autour qui pouvaient m'épauler, et également des enfants qui arrivaient dans ma classe qui avaient des difficultés où je pouvais percevoir des troubles autistiques, mais où j'ai eu besoin après d'avoir l'aide de professionnels pour pouvoir mieux aiguiller les parents. Alors ça se passe comment concrètement, l'accueil d'un enfant autiste dans une classe d'enfants ordinaires? La première année de scolarisation est vraiment cruciale, parce qu'un enfant, mais comme tout enfant de maternelle, un enfant avec autisme, il a besoin de sentir que son accueil a été préparé. Quand il arrive à l'école, et ben, c'est important qu'il ait un porte-manteau à son nom ou un endroit où il puisse se repérer. Donc ça, je dirais que c'est finalement pas tellement différent de tous les autres enfants. Et finalement, les enseignants de maternelle ont tout ce qu'il faut pour accueillir les enfants avec autisme. Ils font déjà du teach sans le savoir, de la BA sans le savoir. Mais ce qui est très intéressant, c'est que quand on accueille un enfant avec autisme dans sa classe et qu'on a justement l'appui de professionnels ou des parents, on peut du coup faire mieux et faire davantage de choses que ce qu'on faisait un peu intuitivement. Pouvoir préparer un emploi du temps visuel, pouvoir prévoir l'espace de la classe pour que tout se passe bien, ne jamais oublier de renforcer positivement un enfant. Oui, parce qu'en fait, l'enseignement en maternelle, il est déjà très visuel, tel qu'il est conçu. Voilà. Les enseignants savent déjà faire ça. L'espace de la classe, il est divisé avec des espaces très fonctionnels. Mm-hmm. On a beaucoup de manipulations. Les activités sont quand même, elles sont courtes et tempérées par des activités motrices. Alors, ce qui est différent, je dirais, c'est qu'un enseignant doit un petit peu oublier de laisser la place prépondérance à la parole et au langage dans la classe et vraiment s'appuyer sur les supports visuels et d'autres, de tout ce qui est à côté du langage. Si une activité est terminée, on peut
avoir un timer pour signifier que l'activité est terminée. On voit visuellement que c'est terminé. On peut aussi éteindre la lumière, avoir un petit rituel où dans sa classe, on éteint la lumière pour signifier aux enfants, bah là, c'est le moment de ranger. On peut avoir une petite musique. Mais finalement, pour un enseignant, le défi, c'est de parler le moins possible. Et c'est ça qui fonctionne le mieux. S'exprimer dans un langage non-verbal. Oui. D'accorder peut-être plus de place à la communication non-verbale. Parce qu'on est très imprégné quand même par le langage. C'est notre mode habituel de communiquer. Et il faut changer un peu cette manière de fonctionner. En tant qu'enseignante de maternelle, vous avez été amenée à renforcer positivement les enfants, à accorder une attention particulière au fait de valoriser les enfants pour leur succès. Oui, un enseignant de maternelle le fait naturellement, mais avoir un enfant avec autisme dans sa classe, il faut pas s'obliger à le faire, mais vraiment avoir ça toujours à l'esprit. En renforçant positivement, en survalorisant, c'est ce qui va créer de la motivation, ce qui va vraiment créer une émulation positive dans la classe. Je dirais que ça, c'est valable pour tous les enfants aussi. Quelles difficultés éventuelles vous avez rencontrées ? Alors, dans les faits, les difficultés pour un enseignant, c'est d'avoir peur de ne pas savoir gérer un comportement compliqué. Et quand un comportement compliqué survient dans la classe, parce que ça peut se produire, les difficultés, c'est de vraiment comprendre l'origine de ce... Enfin, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Un enfant autiste, il n'est pas défini par ses troubles du comportement. Il a un trouble du comportement parce que il y a peut-être un aspect sensoriel. Il y a toujours une explication finalement simple et assez rationnelle. Et la difficulté, je dirais, c'est de décoder. Quand on a trouvé ce qui pose problème, ça va tout seul. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Est-ce que le fait d'avoir découvert, d'avoir appris finalement au contact des AESH et des gens qui prenaient en charge les enfants autistes dans votre classe, est-ce que ça a modifié votre façon d'enseigner vis-à-vis des autres enfants ? Un enseignant de maternelle fait intuitivement tout ce qu'il faut pour accueillir un enfant autiste. Et le fait d'accentuer ça, ces manières de faire, permet l'inclusion d'un enfant autiste et permet aux autres de bénéficier de conditions d'apprentissage vraiment meilleures. Renforcer positivement un enfant qui a un comportement un peu difficile dans une classe, ça fonctionne. Si on se dit, je regarde ma montre toutes les minutes et puis celui qui bouge un petit peu, je vais vraiment m'obliger à lui dire, mais regarde, c'est bien, t'es bien resté assis. C'est super, c'est ça qui va permettre de diminuer les recherches d'attention et les problèmes d'enfants qu'on considère comme perturbateurs, je dirais. Alors, il y a beaucoup d'enfants autistes qui ont des problèmes de surcharge sensorielle et intervenir dans une classe, puis une classe de maternelle qui est vivante, qui bouge, qui crie, où les enfants interagissent, ça peut être lourd à gérer pour un enfant. Et est-ce qu'il y a des possibilités pour l'enfant de pouvoir gérer le fait de se mettre en retrait s'il est un petit peu à un moment donné en souffrance ou en surcharge, de pouvoir s'isoler au sein de la classe? Alors, il peut y avoir des moments où l'enfant a besoin effectivement de se mettre en retrait, a besoin d'un petit moment de plus de calme. Déjà, le challenge, c'est d'apprendre à l'enfant à signifier ce besoin-là. Donc là, il y a vraiment du coup un lien qui est très fort avec l'auxiliaire de vie scolaire qui peut aussi percevoir des signes à force aussi de communication avec les parents. Enfin, c'est vraiment un travail d'équipe pour arriver à communiquer autour de ça, pour vraiment prendre en compte ces particularités sensorielles. Après, la solution n'est pas toujours finalement d'aller ailleurs ou de s'extraire. Effectivement, une phase de maternelle, c'est bruyant. Moi, les enfants autistes que j'ai vus toléraient quand même assez bien ce bruit ambiant. C'était plus un bruit particulier, une tondeuse à l'extérieur ou peut-être les pleurs de début d'année. C'est vraiment des bruits très spécifiques qui peuvent poser problème. Et quand on arrive à les identifier, du coup, finalement, le bruit d'une classe n'est pas forcément ce qui génère le plus de difficultés. Rachel Maïsagouan, vous êtes professeure des écoles en primaire. Oui. Est-ce que vous pouvez me raconter dans quelles conditions vous avez accueilli un enfant autiste dans votre classe ? Il s'agit de Victor ? Oui, oui, tout à fait. Donc moi, je suis professeure remplaçante, on dit ZIL. Donc je suis amenée à remplacer les professeurs lorsqu'ils sont malades. Et l'année dernière, donc, j'ai remplacé la maîtresse de Victor pour une longue période. Donc j'ai rencontré Victor en janvier, donc à la rentrée des vacances de Noël. Et disons que Victor m'a accueillie, j'ai envie de dire, puisque finalement, je n'ai pas eu de préparation en amont. J'ai su que j'avais cette classe le vendredi et je suis arrivée donc le lundi matin. Donc j'avais pas vraiment de billes au départ, lorsque je suis arrivée dans la classe. Mais ça s'est très bien passé parce qu'il était accompagné donc d'une auxiliaire de vie. Céline, qui m'a tout de suite beaucoup aiguillée sur sa façon de fonctionner, son comportement en classe.
Et ça a été quand même assez simple parce que c'est un petit garçon qui est vraiment agréable, qui est très calme déjà. Je n'ai pas ressenti de grandes difficultés par rapport à son comportement en classe. Victor a des difficultés d'élocution. Oui. Ça ne vous a pas gêné dans vos apprentissages par rapport à comment vous avez adapté votre manière d'enseigner avec lui? Là, effectivement, c'était plus difficile. Mais grâce à Céline encore, on a trouvé différentes manières de communiquer ensemble. Alors c'est vrai que comme elle passait beaucoup de temps avec lui, du coup, elle me servait un peu de traductrice. Et petit à petit, j'ai appris à comprendre son fonctionnement, s'il était d'accord ou pas. Et par rapport au travail présenté en classe, c'est vrai qu'on travaillait beaucoup ensemble, Céline et moi, sur le fait que je proposais. Et elle m'expliquait qu'il fallait peut-être simplifier ou remanier pour que Victor puisse accéder à ma demande, en fait. Donc en termes de communication, c'est vrai qu'on n'a jamais vraiment eu de communication comme on l'entend, mais il venait vers moi par des gestes, des fois il aimait bien s'approcher de moi, me caresser l'épaule, et là c'est il me traduisait qu'il était content, qu'il me prenait aussi dans ses bras. Donc je comprenais qu'il y avait vraiment un lien quand même entre nous, même si on n'arrivait pas à le dire avec des mots. Est-ce que vous aviez adapté votre manière d'enseigner au niveau des supports pédagogiques? Alors oui, mais seule, disons que lorsque je préparais ma classe chez moi, je me trouvais démunie. Donc c'était vraiment avec l'aide de Céline où on découpait ce que j'avais déjà préparé pour la classe pour que Victor puisse atteindre son objectif à lui. Le souci, quand on arrive en cours d'année et qu'on n'est pas formé, on ne sait pas vraiment ce qu'on attend de l'élève. Enfin, j'étais pas vraiment sûre de ce que je pouvais lui demander. Ils sont tous différents, de toute façon. Déjà, il n'y a pas possibilité d'anticiper parce qu'ils sont tous. Il faut s'adapter à l'élève qui est en face de vous. Exactement. Et quand on est seul chez soi, on se dit bon, ça, je pense qu'il va peut-être y arriver. Et puis quand on arrive, on dit ah non, ça, il va encore falloir découper, encore falloir simplifier pour atteindre l'objectif. Donc c'est vrai qu'au final, je partais avec un programme, on va dire, collectif à la classe, mais une fois sur place, on faisait un remaniement avec Céline pour que l'objectif soit atteint et que Victor puisse vraiment répondre en fonction de ses possibilités. Alors après, petit à petit, une fois que j'ai pris mes marques, c'est vrai que là, par exemple, j'avais pensé à des jeux parce que je me disais là, ça va fonctionner parce que je commençais à comprendre vraiment ce que Victor était capable de faire. Donc par exemple, quand on a travaillé sur la monnaie, j'ai pu trouver un jeu de société et pour pouvoir l'aider aussi à rentrer en communication avec les élèves de la classe. Mais finalement, il s'est très bien épanoui, Ah oui, ça s'est très bien passé parce que avec les parents de Victor, on a eu une très bonne communication. J'ai tout de suite rencontré sa maman et qu'on a beaucoup discuté, qui m'a beaucoup expliqué. J'ai aussi sensibilisé à la situation de Victor parce que finalement, mon mari a une sœur qui est également autiste et qui est aussi hyperactive. Donc j'étais vraiment impliquée personnellement et j'avais vraiment envie de réussir, de toucher Victor et de prouver aux autres qu'il pouvait très bien s'insérer, qu'il allait forcément en retirer quelque chose de positif. Et ça a été le cas, puisque il a fait ses progrès avec moi pendant ce court laps de temps qu'on a passé ensemble. Et moi aussi, personnellement, ça m'a enrichi de vivre cette situation avec lui. Alors, si on peut résumer au niveau des adaptations que vous avez mises en place, c'est quoi? C'est utiliser des supports visuels, oui. Utiliser des manipulations. Des manipulations. Des choses concrètes, en fait. Des choses pédagogiques concrètes. Voilà, des choses concrètes. Donc, comme j'ai dit, des petits jeux pour les mathématiques, c'est sûr que c'est plus simple, comme ce petit jeu de société que j'avais fait en grand format pour que ce soit vraiment plus maniable. Donc, par rapport à la monnaie, donc les enfants avaient une liste de courses avec des faux billets que j'avais imprimés, un dé. Et du coup, Victor était très, très bien rentré dans cette manipulation. Donc, pour d'autres notions en mathématiques, j'avais pris l'habitude d'avoir des jeux de société que j'arrivais à trouver ou à fabriquer pour qu'ils puissent manipuler. Donc c'était un moment aussi moins strict pour lui de devoir rester assis et travailler sur un cahier. Là, il pouvait changer de place, avoir d'autres copains à côté de lui. Voilà, il peut travailler en groupe aussi. C'est important. L'autisme n'empêche pas un enfant d'interagir avec ses pairs. Du tout. Au contraire, parce que... En fait, le fait qu'il soit avec d'autres camarades, justement, ça l'aide à s'enrichir, à voir quel comportement social on attend de lui en classe. Et du coup, par mimétisme aussi, ça l'aidait à progresser à ce niveau-là. Et du coup, les autres enfants de la classe aussi se sont adaptés à lui
ont appris à le comprendre. Et on a même mis en place avec Céline un petit moment dans la semaine, c'est tous les jeudis, un moment où les enfants de la classe apprenaient certains mots du langage des signes pour pouvoir communiquer avec lui. Parce que Victor communique avec la méthode Borel-Mézoni. Voilà, voilà, tout à fait. Et un peu de Makaton. Oui, aussi. Donc en fait, il y a une inversion. Il y a une inversion. Et Victor prenait un peu aussi ma place d'enseignant, parce que du coup, comme moi, je ne savais pas, ben, il venait au tableau. Et donc, Céline lui demandait de montrer les signes. Et il montrait aux autres élèves de la classe qui imitaient. Et dans la cour, ça les a aidés à mieux communiquer avec lui. Qu'est-ce que vous pensez de l'impact de la présence d'un élève comme Victor dans la classe sur les autres enfants? Comme on a dit, c'est que positif, hein, ça peut être que positif, tant pour lui que pour les autres. Pour justement, voilà, on apprend la différence, on apprend que on n'est pas tous pareils, et surtout on apprend la tolérance et on s'adapte à l'autre. Et forcément, pour Victor, ça ne peut que l'aider à progresser, puisqu'il progresse, et forcément, selon moi, c'est quelque chose qu'il faut faire. Isabelle Delmar, vous êtes professeure des écoles en primaire dans l'Essonne. Est-ce que vous pouvez me raconter dans quelles circonstances vous avez accueilli un enfant autiste dans votre classe? Alors, j'ai accueilli Adam l'année dernière en CE1, dans une classe assez nombreuse, 29 élèves, une classe assez hétérogène. Il y a eu une très bonne relation et beaucoup de réunions au départ avec les parents d'Adam et son AVS. Afin de se mettre d'accord et d'établir le rôle de chacun. C'est-à-dire qu'ils en connaissaient plus sur leur enfant que moi. J'avais beaucoup de choses à apprendre d'eux et de la psychologue également qui est venue observer en classe, avec qui on a beaucoup travaillé. Et en l'occurrence, moi, ça me permettait d'adapter ma pédagogie, parce que c'était le but. Je rejoins ce que disent les collègues. Un enfant qui pique une crise, hein, qui trépigne ou qui se roule par terre ou qui se met à crier, ce n'est pas sans raison. Il y a quelque chose qui l'a alerté ou qui ne lui plaît pas, ou une activité pédagogique qu'on lui donne qui est trop difficile, qui n'est pas adaptée. Donc à nous de décrypter toutes ces réactions avec l'aide effectivement de l'AVS et de ses parents et d'adapter notre pédagogie. Alors, il faut souligner que Adam, c'est un enfant qui est un autiste typique. Voilà, mal-verbal. Mal-verbal. Il commence à parler depuis un an ou deux. Quelles difficultés vous avez éventuellement rencontrées au cours de votre parcours avec... Alors le regard des autres élèves au départ. Qui n'avait pas été scolarisé avec Adam, parce qu'en fait, il redoublait son CE1 avec moi. Donc, il y avait toute une cohorte d'enfants qui connaissaient Adam depuis la maternelle. Et là, il se retrouve avec des enfants plus jeunes qui n'ont pas été scolarisés avec lui et qui vivaient mal les crises que pouvait faire Adam en début d'année. Donc, tout de suite, on a fait des débats avec la présence d'Adam ou sans sa présence, puisqu'il est scolarisé à moitié du temps, pour expliquer la différence, pour expliquer l'autisme. Pour expliquer que quand il n'a pas envie de faire une activité et qu'il sait nous le montrer, ce n'est pas de sa faute et qu'on peut peut-être l'aider, que les autres enfants aussi peuvent l'aider. On a d'ailleurs mis en place concrètement un planning de jeu également dans la cour. 4 ou 5 enfants, pas plus, hein, s'inscrivaient et en fait, ils se battaient parce qu'ils voulaient tous jouer avec Adam. En fait, on avait décidé pas plus de 4-5 élèves afin qu'ils puissent vraiment construire des interactions sociales riches pour lui. S'il y avait plus d'élèves, en fait, ils se sentaient perdus et ils quittaient l'activité. Mmh. Je pense à des jeux de ballon, à des choses très simples, mais qui devaient être préparées en amont, tout simplement avec un planning, et les enfants s'inscrivaient. Et ça, ça a permis de créer un lien avec Adam, pour aller en bibliothèque également, choisir des livres. Et alors, au niveau pédagogique, dans toutes les situations de recherche et les phases de manipulation, je travaille beaucoup, je mets les enfants par groupe, en groupe hétérogène. Donc avec l'AVS, on avait décidé de mettre Adam avec des élèves avec des profils particuliers, d'autres qui pouvaient être en difficulté, ou des élèves qui avaient un bon niveau, afin de pouvoir manipuler et construire, et en même temps faire du lien social. Est-ce que vous avez éprouvé le besoin d'adapter votre pédagogie? Comment ça s'est passé avec Adam? Alors, il se trouve que j'ai travaillé longtemps en école ZEP-REP pendant 13 ans avec des élèves en grande difficulté pédagogique, y compris non lecteurs en cycle 3, donc à partir du CE2, Donc en fait, je n'ai pas tellement adapté ma pédagogie parce que j'essaie d'avoir une pédagogie où... Vous étiez déjà outillée en fait. Voilà, avec des séquences d'apprentissage où je démarre systématiquement par des situations de recherche, que ce soit en mathématiques ou en français, avec de la manipulation et avec des bilans et des mises en commun à la fin des séances pour faire émerger les concepts que je veux travailler. Donc je n'ai pas tellement adapté au niveau du matériau. Et je l'ai adapté de la même façon qu'un autre élève en difficulté pédagogique. Ce qu'on a adapté, c'est plus au niveau des interactions sociales, encore une fois, de la mise en travail de groupe des élèves qui étaient choisis finement pour pouvoir vraiment l'aider dans la tâche, pour que l'AVS puisse avoir un rôle, mais peut-être se dégager légèrement également, pour que d'autres puissent prendre la place. Voilà. Parce que l'AVS est indispensable, ça c'est sûr. Je n'aurais pas pu faire le même travail seul avec le groupe classe et les autres élèves.
Mais l'intérêt aussi, c'est sur certaines séances qu'elle arrive à se détacher, à se mettre en retrait, pour que l'enfant puisse construire hein, et apprendre aussi, par lui-même et avec les autres, évidemment. Qu'est-ce que vous pourriez dire de l'impact de la scolarisation d'Adam sur les autres élèves? Alors après, avec l'évolution, avec le recul. Voilà, avec le recul, formidable, avec des retours très positifs. J'ai quand même une anecdote à vous raconter. Lors de la chorégraphie de fin d'année pour la fête d'école, Adam était un peu perdu. Donc il sent qu'il n'arrive pas à suivre avec les autres. Il se met en retrait et ni l'AVS ni moi n'avons été obligés d'aller le récupérer. Ce sont les élèves qui étaient à côté, qui sont allés le chercher, qui l'ont ramené dans le groupe. Et il a terminé avec tout le monde. Et ça, c'était magique. Voilà. Avec donc des retours des parents, alors évidemment des parents d'Adam, et puis des parents d'autres élèves qui ont trouvé que c'était une très belle expérience humaine et que ça apportait beaucoup à tout le monde en matière de tolérance et d'acceptation de la différence. Ce n'est pas un vain mot, c'est quelque chose qu'il faut vraiment travailler à l'école élémentaire. Le regard des autres. L'école est aussi un endroit où on grandit. Exactement. Alors, il y a une chose également que vous m'aviez dite que je trouvais très intéressante parce qu'elle m'a été dite par plusieurs enseignants, c'est que quand un enfant autiste, à un moment donné dans la classe, se met à décrocher, ça peut arriver donc à partir en live, etc., il va exprimer quelque chose que ressentent tous les autres enfants, les enfants neurotypiques, mais qui ne vont pas le dire. Exactement. Parce que les enfants neurotypiques peuvent être en souffrance pédagogique. Et en fait, ne pas l'exprimer, ils ont la recette, ils adoptent un comportement. On est dans des codes, justement. Voilà, dans des codes sociaux. Exactement. Et le fait que l'enfant autiste n'ait pas ses codes sociaux ou se fiche, ses codes sociaux, en fait, ça vous sert de baromètre. Ça peut nous. Exactement. C'est-à-dire que si on demande à sa classe, les enseignants ne me contrediront pas, je pense, si on demande à sa classe, vous avez compris, ils vont tous nous répondre oui. Donc finalement, la recette, ce n'est pas de leur demander s'ils ont compris, c'est d'abord d'essayer de s'en apercevoir par un autre biais. Pas par cette question qui finalement, à laquelle tout le monde peut répondre, mais de façon erronée. Et c'est vrai qu'un enfant autiste, lui, va renverser sa table. Donc pour nous, c'est un indicateur. Ça ne veut pas dire qu'il a moins bien compris que le petit copain d'à côté qui ne dit rien et qui écrit sagement sur son cahier. Donc ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier entre ce que les enfants en pédagogie nous disent et ce qu'ils ont réellement compris. Il y a parfois un décalage. À nous de nous en apercevoir, c'est là que c'est difficile. Il faut de l'expérience pour arriver à décoder et à décrypter. Et puis voir après ce qu'on peut mettre en place au niveau pédagogique pour justement passer au-delà de cette difficulté. De la même façon, lorsque vous êtes passé par les manipulations, par le jeu, par le visuel et du concret, ça bénéficie aux autres enfants? Quelle est la réaction des autres enfants? Complètement, parce qu'effectivement, il y a des enfants qui avaient du mal avec cette notion, soit la monnaie ou autre chose. Et avec la manipulation, forcément, ça les a aidés à mieux comprendre. Donc effectivement, ça a aidé Victor, mais ça a aussi aidé le reste de la classe. C'est vrai qu'il y a un certain âge, sans faire de la pédagogie très précise, mais par exemple l'échange à 10 au cycle 2, qui permet quand même de construire le nombre et d'aider les élèves sur tout le cycle 3 ensuite, si ce n'est pas bien acquis, bien installé au cycle 2, il y aura des difficultés en mathématiques toute leur vie. Donc il faut manipuler, que les enfants soient autistes ou pas, c'est vraiment un message aussi qu'il faut faire passer. On dit aussi que les enfants autistes sont plus prisonniers du contexte problématique de généralisation et qu'il faut s'assurer qu'ils aient acquis un enseignement en différents contextes pour être sûr que la notion est apprise. Les enfants neurotypiques, c'est pareil. Oui, complètement. Je pense qu'au niveau de la démarche, la démarche d'apprentissage, si depuis une vingtaine ou une trentaine d'années en France, on parle de la démarche d'apprentissage constructiviste avec des situations de recherche, justement, de manipulation, où l'enfant construit le savoir. Alors parfois, ça ne plaisait pas à certaines personnes qui disaient « mais on perd du temps, ce sont des démarches plus lentes, on apprend moins vite ». Non, on n'apprend pas moins vite. On a l'impression de perdre du temps au départ parce qu'on passe beaucoup de temps à manipuler, à jouer, y compris à l'école élémentaire, on joue. Mais derrière ce jeu, nous, professionnels, on sait qu'on a un objectif d'apprentissage. Ce n'est pas le jeu gratuit. On joue à la marchande, on fait des échanges, mais après, nous, on va s'en servir pour construire autre chose. La notion n'est pas acquise uniquement de manière abstraite, elle est acquise de manière concrète. Mais je pense qu'au niveau psychologique et neurologique, un enfant de 5, 6 ans ou 8, 10 ans sur d'autres notions ne peut pas apprendre de façon abstraite ou théorique. Dans ce cas-là, on aurait des précepteurs ou uniquement des formations en ligne. Il faut absolument ces phases de recherche et de manipulation. Et en français aussi, parce qu'on parle de la manipulation en mathématiques, mais on manipule aussi la langue française, à l'écrit et à l'oral. Je pense que c'est essentiel pour tous les élèves, et encore plus pour les élèves en difficulté. Ceux qui auront plus de mal à abstraire, à conceptualiser justement, qui mettront plus de temps. Parce qu'on sait très bien que dans une classe, on n'a aucun élève qui avance au même rythme que son voisin. Ils sont tous différents. Ils sont tous différents. Alors après, on peut identifier à peu près trois groupes, des élèves qui apprennent vite, ceux qui apprennent un petit peu plus lentement, et ceux en grande difficulté pédagogique. Et dedans, peut-être qu'on aura des élèves autistes, peut-être pas, peut-être sur une compétence ou un objectif, mais pas sur un autre. C'est ça aussi, l'élève autiste n'est pas en difficulté pédagogique, il est en difficulté de communication, et il peut être en difficulté pédagogique sur certaines compétences,
dans certains domaines, pas partout. Alors, un des freins aussi à l'inclusion scolaire, c'est l'idée que, et ça a été prégnant pendant longtemps, que les élèves devaient avoir tous un même niveau et que, en tant qu'enseignant, vous deviez leur faire acquérir un niveau de compétence unique lié à leur classe d'âge. Le fait d'avoir des élèves qui ont pas exactement le, enfin des élèves autistes dans votre classe, est-ce que c'est gênant, est-ce que c'est pas gênant, comment est-ce que vous avez géré? Je mettrai un bémol quand même. Normalement, en tout cas en théorie, puis la politique des cycles et la loi de l'orientation, ça date de 94, je crois, hein, 1994. On nous a bien parlé justement politique des cycles et travail par compétences pour justement adapter le travail pour une compétence donnée déclinée en objectif et que l'enfant puisse apprendre à son rythme. Normalement, c'est comme ça qu'on doit travailler. Pour tous les enfants. Pour tous les enfants, y compris à l'école élémentaire. On a aussi des nouveaux programmes donc, qui sont déjà mis en place en maternelle là, depuis la rentrée 2015, qui, je trouve, appuient encore plus cette dimension-là, où on a vraiment les textes qui nous disent bah, l'enfant, on doit considérer l'enfant comme une personne qui est continuellement en progrès et vraiment arriver à évaluer là où il en est pour le faire progresser à l'étape ultérieure. On a la mise en place d'un carnet de suivi des apprentissages qui balaye du coup un peu cette idée de programme à atteindre par niveau. Enfin, dans les textes en tout cas, on a vraiment cette idée de personnaliser vraiment les apprentissages. Ces programmes qui vont être mis en place pour toutes les classes à partir de septembre l'année prochaine montrent aussi un découpage qui est intéressant et intelligent parce qu'il fait vraiment apparaître de la méthodologie et apprendre à apprendre. Mmh. Et ça, c'est essentiel. Et c'est quelque chose qui était peut-être sous-jacent, mais pas suffisamment explicite. Là, ça le devient beaucoup plus. Et là, ça permet d'aider les élèves en difficulté. Marie-Laure, vous êtes AESH, on dit maintenant, oui. Parce qu'on change de cycle sans arrêt. Voilà, vous êtes auxiliaire de vie scolaire, on va dire plus simplement. Dans le Limousin, vous avez accueilli Mylène, notamment plusieurs années en primaire. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter de Mylène et du travail auprès d'elle? Au départ, très compliqué. Donc, Mylène est autiste typique, donc sans déficience et verbale, avec son petit caractère. Suite à une longue période de demandeur d'emploi, voilà, je me suis retrouvée travailleur handicapée. Et donc, justement, l'Éducation nationale recherchait des personnes étant travailleurs handicapés et pour faire justement AVS. On m'a mise en grande section. Donc, aucune connaissance de l'autisme. J'ai rencontré sa maman et ses parents qui étaient très, très impliqués. Donc, ils m'ont un peu expliqué, en gros, la personnalité de Mylène et ses particularités. Et de là, j'ai un peu composé. Donc, Mylène a eu, au départ, beaucoup de refus à me voir. Donc, c'était « Marie-Laure, je t'aime pas, rentre chez toi, tu sors. » Enfin, voilà. Et au bout de 3 semaines, 1 mois, en force de jouer avec elle, tout en essayant de la faire travailler. Qu'est-ce qui vous a permis de décoder? C'est la maman qui vous a expliqué comment faire du pairing? C'est ça, c'est un peu la maman, ouais, parce qu'elle s'était formée. Voilà. Elle s'était formée, elle, vu que moi, j'avais eu aucune formation à la base. Aucune. Hein, je me suis pointée au mois de mars, comme ça, les mains dans les poches. Au fur et à mesure, en fait, la maman me donnait des petites clés pour pouvoir intervenir auprès de Mylène. J'avais eu une instite très accueillante qui m'a beaucoup aiguillée aussi, qui connaissait bien Mylène du coup, et qui m'a beaucoup aidée malgré tout, parce qu'on a beaucoup à apprendre aussi de leur part. Et du coup, voilà, à la longue, on a fini par réussir à travailler. Et comment? C'est-à-dire concrètement, en jouant avec elle? En essayant toujours de la reconcentrer, parce qu'elle avait des périodes de déconcentration, donc en lui donnant des petits moments aussi que toutes les deux, ou même toute seule. Si elle en avait besoin, parce que Mylène est quelqu'un qui compense beaucoup, et du coup, elle a des moments où il faut qu'elle soit toute seule ou éventuellement pour se recentrer. Ouais, pour se recentrer, ouais. Est-ce que vous pouvez donner des exemples concrets des outils que vous avez mis en place pour adapter ces enseignements? Avec la maîtresse, on a beaucoup travaillé ensemble sur la façon de mettre en place certaines activités, tout ça. Alors, elle était en grande section. Maintenant, elle est en CE2. Ah, donc ça, c'est l'emploi du temps de Mylène au CP. Donc là, c'était ma photo comme quoi j'étais présente. Si j'étais pas présente, elle était barrée en rouge. Et donc voilà, il y a donc le jour qu'on est. Donc il y a une petite étiquette changement au cas où. Et donc le timer. Donc en fait, après, il y a toutes les activités qui se passent en classe. Donc en fait, elle savait à peu près ce qui allait être vu en classe. Elle savait à peu près le temps. Donc on mettait le temps avec une petite image de timer pour lui signifier quel temps ça durait. Est-ce que vous êtes amené à reformuler les consignes? Oui.
les reformuler, les simplifier, puisqu'ils ont horreur des doubles consignes. C'est ça, enfin, grosso modo, c'est les simplifier. Vraiment les simplifier au maximum, quoi. Lui donner des outils, par exemple, pour certaines consignes, parce que je vois, il y avait du mal à souligner, surligner, entourer. Ça, c'était pas très clair. Donc, du coup, on avait mis en place une petite fiche, en fait, où il y avait tout ce qu'il y avait à faire, en fait, cocher, barrer. Et en fait, on lui montrait comment il fallait faire. C'est l'adaptation au quotidien, en fait. Oui. C'est se rendre compte que là, elle va rencontrer une difficulté qui n'a pas été anticipée parce qu'on n'a pas de raison d'anticiper une difficulté. C'est ça. Quelque chose qu'elle peut faire. Et du coup, trouver de manière un peu avec du bon sens, finalement, de lui donner les moyens de contourner sa difficulté. C'est ça. Par la visualisation, par la manipulation. Oui. Grosso modo, c'est ça. Oui, c'est ça. Durement ça. Donc, dur de composer, mais en fait, au fur et à mesure qu'en fait, on travaille avec elle, on se rend compte des difficultés qu'elle peut avoir. Je pense qu'il y a une osmose entre l'AVS et l'élève, en fait. Et du coup, je pense qu'à la longue, on finit par anticiper. Ou ils vont avoir des échecs, ou ils vont buter un peu. Donc du coup, on a cette facilité-là, nous, en tant qu'AVS, du coup, de mettre en place certaines choses avant, justement, qu'ils soient en échec, en fait. Après ce long parcours de recherche d'emploi, etc., qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette rencontre, en fait, avec un enfant autiste ? Pour dire que j'essaye d'introduire de manière logique le fait qu'AVS, c'est un vrai métier. Ah, c'est un métier, oui. Mais d'abord, sur le plan personnel, sur le plan du personnel, sur le plan de l'expérience. Sur le plan personnel, ça m'a complètement changé. Ça m'a rendu plus humble, plus mieux. Enfin, je ne sais pas comment l'exprimer. C'est une expérience, en fait. J'ai l'impression que nous, on leur apporte des choses, mais eux, ils nous en apportent 3 fois plus, quoi. Même 10 fois plus. Enfin, je crois que j'aurais jamais assez de mots pour le dire. Mais c'est énorme ce qu'ils peuvent nous apporter, et on voit les choses différemment auprès d'eux. Et en fait, c'est une remise en question tous les jours avec eux, pour être toujours meilleur. Ils nous forcent à être meilleurs, en fait. Parce qu'on cherche les progrès. Parce il y a aussi un côté addictif. Hein, ouais. Je vis avec les professionnels du handicap, les enfants autistes, ils ont un côté... je ne sais pas à quoi c'est dû, mais parce qu'ils sont hyper présents, en fait. Ils sont cash. Il n'y a pas de sens social, il n'y a pas de faux semblants. Donc, ils sont complètement là. Donc c'est... Ça fait du bien, quoi, quelque part, d'avoir d'être en relation avec des gens qui sont directs. Directs. Voilà. Ouais. Ouais, ils passent pas par quatre chemins. Quand ils ont envie de nous dire des choses, ils nous disent. Des émotions, mais c'est très ça, en fait. Mais c'est ça. Enfin, moi, quand j'ai rencontré Mylène, au départ, je savais pas trop, mais à la fin, je me suis dit, mais en fait, je vais être dans ton monde. Ça c'était un peu ça, en fait. Je voulais être dans son monde parce que je me suis dit, en fait, il est super top, quoi. On se prend pas la tête. Si t'as envie de dire, va voir ailleurs, mais t'y vas, quoi. Enfin, tu le dis. Nous, c'est toujours par des non-dits, c'est toujours, on passe toujours par des chemins un peu en zigzagant. Enfin, alors que chez eux, c'est plus direct, au moins on sait à quoi s'attendre, quoi. D'une certaine façon, il y a plus de problèmes de communication sociale chez les personnes neurotypiques, à cause de ces non-dits, à cause de cet implicite. Ah oui, mais complètement. Donc du coup, moi, son monde, il m'a plu. Je crois que du coup, on se comprend, même si je suis pas dans son monde réellement. Mais finalement, il m'a plus. Du coup, être AVSH, c'était une révélation. Ah, complètement, oui. Ah, ouais. Oui, parce qu'au départ, je ne me croyais pas du tout capable, je ne pensais pas être à la hauteur. Finalement, au fur et à mesure, on s'est rendu compte aussi parce qu'elle n'a pas été simple au départ. Oh là, non. Ah, non, non, non. Non, j'avoue que non. Je la faisais travailler, donc pas cool. Donc, du coup, non, pas simple du tout. C'est là où j'allais en venir, Mylène, elle a des parents exceptionnels. Ah, oui. Franchement, oui. C'est des parents courage, des parents exceptionnels qui s'impliquent à fond. En tant qu'AVS, je ne vais pas dire que c'est professionnel, mais ça devrait l'être. Parce que justement, c'est toute une équipe. Si on ne sait pas ce qui se passe à la maison, on ne va pas savoir comment l'enfant va se comporter par rapport à une situation qu'il a vécue à la maison, qui éventuellement va faire des troubles du comportement à l'école ou autre. Donc automatiquement, on est obligé d'avoir des liens avec les parents, tous les professionnels qui travaillent autour. Moi, ça me paraît essentiel. Nous, en tant qu'enseignante, quand on demande à voir les parents avec l'AVS, mais nous, on est garant de ça aussi. C'est-à-dire qu'en tant qu'enseignant, on se positionne en disant « moi, je veux l'AVS et les parents pour pouvoir travailler ensemble, et la psychologue et la psychomote ou l'orthophoniste ». Voilà. En dehors des équipes de suivi qui, elles, sont obligatoires. Je parle de tous ces rendez-vous qui sont essentiels. Parce qu'il y a aussi dans les usages une réticence de la part d'un certain nombre d'enseignants de voir une tierce personne adulte en train de l'observer, en train d'enseigner. C'est compliqué pour certaines personnes. Est-ce que ça vous a gêné, vous, en tant qu'enseignant ? Moi, au début, oui. Oui, parce qu'en fait, on a peur du jugement. On ne sait pas, on ne connaît pas. Hein, c'est une autre personne... qui est différente, qui peut penser, c'est bizarre ce qu'elle est en train de faire,
Oh tiens, elle s'énerve, pourquoi? Alors que moi, je me... il y a plein de choses qui nous traversent l'esprit. C'est des projections, en fait. C'est des projections, voilà, c'est des a priori. Hein. Au départ, on a un petit peu peur. Dans le cas de Victor, j'avais en plus une personne qui venait une fois par mois, un peu supervisée. Donc, des fois, on était à 3 adultes dans la classe. Donc, c'était un moment un peu délicat, un peu stressant. Mais ensuite, quand on prend sur soi et qu'on prend le temps de discuter avec la VS, on arrive à créer des liens. Et finalement, pour moi, en tous les cas, après, ça s'est passé tout seul. C'est quelqu'un qui vient vous aider, de toute façon. Et c'est quelqu'un qui vient nous aider. Donc là, cette année, j'ai encore une AVS, ça se passe très bien et j'en suis ravie. Et au final, l'année dernière, j'ai même terminé avec 2 AVS parce que j'avais 2 élèves dans ma classe qui étaient en situation de handicap et qui étaient aussi tous les 2 autistes. Et quand on prend le temps vraiment de faire un travail sur soi, ça passe très bien. Après, on n'est pas là pour juger, on est là pour travailler ensemble. Au contraire, c'est pour justement épauler la maîtrise. En fait. Faut accepter d'être jugé, on s'en fiche. Ah, ouais. Critiquer, c'est-à-dire qu'encore une fois, on est dans l'intérêt de l'élève. Si l'AVS nous dit, écoute là, non, ça ne va pas parce que tu ne l'as pas fait venir au tableau ou ta consigne, elle est double. Ah oui, bah tiens, mais on ne va pas en mourir. Enfin, ouais, voilà, ça va, il y a un moment. Positive, en fait. Voilà, quand la psychologue vient observer en classe et qu'elle nous renvoie des choses positives et puis d'autres à améliorer, ce n'est pas ce qu'on est censé faire avec nos élèves, justement. C'est-à-dire renvoyer des choses positives et leur montrer ce qu'ils peuvent améliorer. Alors je crois qu'il faut être très humble là-dessus. C'est censé être des professionnels du handicap. Complètement. Donc, ces personnes, elles ne viennent pas se substituer à votre travail. Elles viennent vous apporter une aide, un complément par rapport à votre tâche. Un complément pour cet enfant-là et pour d'autres. Une remise en question de nous-mêmes qui est forcément intéressante. Ça nous aide à progresser. Et dans l'intérêt de cet enfant. Encore une fois, les parents le connaissent mieux que nous. Et voilà. Nous, à la base, on est là, en fait, pour vous épauler et éventuellement mettre des choses en place que vous n'avez pas le temps de mettre en place. Oui. La VS, c'est là aussi pour ça. Suppléer. C'est une équipe. Hein. Voilà, c'est une équipe. On travaille ensemble et ça complète. C'est ça. Alors, je voudrais dire un petit mot, justement, AESH, c'est un vrai métier qui mériterait d'être pérennisé et pas précarisé. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre salaire net et le salaire avec les charges sociales? Donc, salaire net, 590 euros. 1300. Avec les charges patronales, ça fait 1350. C'est pour combien d'heures par semaine? 20 heures. 20 heures par semaine. C'est un maximum, en fait, pour les AVSH, en général, c'est 20 heures, 22 heures. D'accord. Après, on peut monter jusqu'à 35 heures. D'accord. Parce qu'on entend dire, parmi les freins à l'inclusion scolaire, c'est que vous ne vous rendez pas compte, on ne peut pas mettre une auxiliaire de vie scolaire derrière chaque enfant à l'école. Si je me réfère au prix de journée en hôpital de jour, ce qui est entre 900 et 1000 euros par jour, même si c'est une consultation externe. C'est-à-dire qu'en fait, en l'espace d'une journée et demie, en fait, dans un hôpital psychiatrique, vous pouvez salarier une auxiliaire de vie scolaire sur un mois. Ou réciproquement, 15 consultations d'hôpital psychiatrique, c'est une année entière de salaire d'auxiliaire de vie scolaire. Donc en fait, ça coûte beaucoup moins cher de mettre des auxiliaires de vie scolaire à l'école. Finalement, oui. Même en les augmentant beaucoup. Oui, on pourrait aussi un peu les augmenter, tant qu'à faire. Oui. Voilà. Avant d'aborder la troisième partie de cette émission, je vous invite à regarder un petit film consacré à un nouvel enfant autiste qui s'appelle Anis. Anis a été diagnostiqué autiste typique à l'âge de 20 mois. Il a aujourd'hui 7 ans, il est scolarisé en CE1. Tout à l'heure. Quand j'ai 10 dizaines, carré, barre, plaque. Donc carré, ce sont les unités, les barres, ce sont les dizaines, et les plaques, ce sont les centaines. Chut. Ensuite, Lilou, allez, Maïwan ici. Et on va mettre Anis ici. C'est bon? Huit? Non, on a 8. Mais oui, mais une barre de 10. Parce que... Alors, 80. Avec une 8, il en faut encore plus. Anis n'a pas toujours été le roi du comportement.
tout petit, Anis ne s'intéressait qu'aux petites voitures dont il faisait tourner les roues pendant des heures. Il criait toute la journée, ne dormait pas et ne mangeait rien. À cette époque, Anis avait beaucoup de mal à entrer en interaction avec les autres enfants. Et c'est ainsi qu'en ce jour d'Halloween, Capucine décide de confectionner, avec l'aide de sa maman, le masque de sorcière le plus affreux, le plus moche, le plus laid, le plus hideux, le plus horrible, le plus terrifiant de tous les masques de sorcière. Ha ha, se dit Capucine, je tiens ma vengeance, à mon tour de leur faire peur. Comment elle va faire pour se déguiser en sorcière? Elle va mettre un masque de sorcière le plus effrayant et le plus horrible de tous les masques de sorcière. Oui, et pourquoi elle fait ça? Parce qu'elle veut se venger. Alors après, t'es pas obligée de te venger de la même façon, mais là, comme on la traite de peureuse, elle décide, elle, de leur faire peur. Alors, je vous montre le masque. Un diagnostic précoce a permis qu'Annie soit accompagnée en ABA dès l'âge de 26 mois. Ses éducateurs et ses psychologues se sont relayés sur tous ses lieux de vie pour lui apprendre ce qu'un enfant ordinaire apprend naturellement. Manger, dormir, jouer et interagir avec les autres enfants. Une sorcière, c'est très moche. Alors ? C'est une horreur. La sorcière a un menton. Les joues sont couvertes de elle. Une perruque noire sur le bout de son nez. Elle a une verrue noire sur le bout de son nez. Hideux, ça veut dire quoi? Ces boutons, c'est plus des pustules que des boutons. Il est comment son nez? Ben, il est tordu. Tordu? Anis? J'ai le mot tordu. Très bien, son nez, il est tordu. Oui, alors viens placer ton mot. Tu peux le mettre là. T'as la pâte à fixe? Non, j'ai pas la pâte à fixe. Ah non, pardon, je croyais que je t'avais donné. Très bien, il y a un autre mot en fait. Et le nez? On peut dire qu'il est tordu. Anis a eu la chance d'être accueillie dans une crèche inclusive, ouverte au handicap. Ses éducateurs et ses psychologues ABA ont pu y intervenir pour préparer son entrée à l'école et l'ont accompagnée pendant toute la maternelle jusqu'au CP. À partir du CE1, une AESH Éducation Nationale a pris le relais de son éducatrice ABA. Est-ce que Anis, il est différent? Un petit peu. Il est normal. Bah, oui, comme nous. Non, il est malade. À part qu'il est autiste. Bah, non, il est très gentil avec bah, nous. Bah, oui, il est gentil. Il est concentré en classe. Comme nous. Bah, il regarde moi, il est plus que. Il écoute très bien aussi. Et il connaît bien ses poésies. Oui, il chante bien, il lit bien. Et il retient bien. Bien, pas bien. Ouais, pas bien. C'est pareil. Par exemple, qu'est-ce que tu sais faire, Alice? Bah, lui, c'est très bien lire, il voit. Bah oui, parce que j'ai toujours un. Il est silencieux. Et il écoute la maîtresse. Bah moi, je l'inviterai à mon anniversaire. Oh ouais. À tous mes anniversaires. Ça va, bien, bien. Je ne pourrais pas dormir demain. Je suis réveillée d'un profond sommeil. Je me pense très qu'il me comble de bonheur. Et que son histoire réchauffe mon cœur. Une histoire d'amour. Je vais y aller. Je vais y aller.
Le parcours d'Anis est emblématique des bienfaits d'un diagnostic précoce et d'un accompagnement efficace fondé sur les preuves. Chaque jour, son AESH estompe un peu plus son aide pour préparer le jour où Anis n'aura plus besoin d'elle. J'aimerais qu'on revienne un petit peu plus en détail sur la question des adaptations pédagogiques et des outils qui ont été développés par les sciences de l'éducation pour favoriser l'inclusion scolaire. On a vu qu'on pouvait s'inspirer beaucoup du TEACH et de la BA, mais aussi on peut aller regarder tout ce que les grands pédagogues avant, je veux dire, notre époque, hein, ont trouvé, comme par exemple Maria Montessori ou Freinet. C'était aussi des praticiens de terrain et qui ont vraiment mis en place des outils ou des pratiques qui peuvent être revisitées avec les théories actuelles et qui sont aussi une grande source d'inspiration. Donc je crois que pour avoir cette école inclusive, il faut être aussi capable de s'ouvrir à beaucoup de pédagogie, d'aller vraiment puiser dans nos racines et puis de se tenir au courant de l'actualité scientifique pour permettre un enseignement de qualité à tous les enfants. Comme ces outils qui permettent d'apprendre la quantification, les nombres de manière avec les manipulations, qui sont extrêmement utilisés dans l'autisme, ces lettres rugueuses, par la manipulation sur l'apprentissage des lettres. En fait, l'intérêt, ça c'est des outils de la pédagogie Montessori. Le matériel est vraiment très bien fait, très explicite, il isole les difficultés, il permet d'utiliser différents sens. Enfin, on peut utiliser du verbal, du visuel, du tactile, donc c'est vraiment une grande source d'enseignement. Il faut savoir que par exemple la Chine a choisi de faire toutes ses écoles primaires Montessori. Et qu'est-ce qu'on appelle l'enseignement sans erreur? Ça, c'est une des premières stratégies qu'on peut utiliser pour poser les bases pour les enfants avec autisme ou les adolescents aussi avec autisme, c'est-à-dire de leur donner tout de suite la bonne réponse avec les bons mots associés. Et pourquoi? Parce que les enfants ou les adolescents avec autisme ne repèrent pas, on va dire, les éléments pertinents dans leur environnement qui font qu'on appelle un tel objet de telle façon. Et puis aussi, se sont vus leurs difficultés d'apprentissage, ils peuvent être souvent en échec. Et on sait que pour rester motivé, il faut au moins 5 succès pour un échec. Donc en fait, dès que ces enfants vont prendre de l'initiative, on va être derrière eux pour faire en sorte qu'ils réussissent et poser correctement les bases. Alors je peux vous montrer par exemple comment ça se passe pour faire un enseignement sans erreur, en utilisant par exemple la leçon en 3 temps. Avec quelques adaptations qui est utilisée dans la pédagogie Montessori. Donc si par exemple un enfant a tous les prérequis pour pouvoir lui enseigner le son des lettres, c'est-à-dire qu'il voit, qu'il est capable de distinguer différents signes, qu'on sait qu'il a une discrimination auditive un petit peu développée, et qu'on veut lui enseigner par exemple le son de cette lettre-là. Donc évidemment, il faut choisir pour les enfants si on choisit une police script ou une police aussi cursive, parce que ce n'est pas les mêmes signes. Est-ce qu'il est capable pour lui de dire que par exemple ce V ici, là, c'est le même que celui-ci. Donc pour certains, ça sont des lettres rugueuses. Oui, cursives, et celles-ci sont les scripts. D'accord. Et pour certains, ça va être évident que c'est la même chose, et pour d'autres, non. Alors admettons que ce soit pour un enfant qui apprend comme ça avec des lettres en script, le son des lettres. Donc on va pouvoir lui montrer le geste à faire. Par exemple, je t'invite à faire le « Et là, je vais donner la solution. C'est-à-dire, on explique ce que c'est. Ensuite, si je... La réponse est donnée automatiquement. Il n'y a pas de délai entre l'exercice et la solution. Et je ne commence pas mon enseignement en disant qu'est-ce que c'est. Voilà. Je lui donne d'abord la réponse. Je le mets tout de suite en réussite. Et ensuite, quelques secondes après, je vais pouvoir lui redemander est-ce que tu peux me montrer où est le V? Donc, super, bien identifié. Et après, je peux même aussi lui demander qu'est-ce que c'est. Si jamais il est verbal, il va pouvoir m'exprimer, c'est... C'est quoi? C'est... Et puis quand on fait cet enseignement sans erreur, après aussi, du coup, c'est d'être capable d'identifier toutes les guidances qu'on va mettre, c'est-à-dire toutes les aides. Et c'est vrai que tous les enseignants, on est assez facilement habitués à mettre des aides en place. Il faut pouvoir les identifier pour pouvoir ensuite les estomper et pour pouvoir rendre l'élève autonome. C'est-à-dire anticiper la réponse, c'est-à-dire guider l'enfant. Guider et après estomper, mais tout de suite dans les jours à venir. Hein. Faut pas attendre des semaines parce qu'autrement il y a des enfants qui deviennent dépendants des aides. Et puis ce qu'il faut faire attention aussi en tant qu'adulte, dès qu'on met des aides, l'enfant est en réussite avec nous. Et on va dire que nous on est renforcés du coup parce qu'il est en succès.
Et on n'a pas envie d'enlever ces aides-là. Donc il faut faire cet effort d'être conscient qu'on met des aides pour pouvoir les enlever ensuite. Et là, des fois, on a besoin de travailler à plusieurs. Parce que bah, quand on est bien avec l'enfant, on ne voit pas forcément les guidances qu'on met en place. Et quelqu'un nous dit, oh, t'as vu là toutes les aides que tu lui mets? Ah oui, d'accord. Mais l'enseignement sans erreur, si j'ai bien compris, ça implique aussi que lorsqu'un enfant, et c'est n'importe quel enfant, en fait, fait un exercice, il faut qu'il termine cette tâche sur un succès. Sinon, il y a quelque chose qui se passe mal, en fait, au niveau de ses apprentissages. Ben pour tous les enfants, on sait qu'il faut, à la recherche, c'est ce qu'elle nous dit, hein, 5 succès pour un échec. Autrement, se développe hein, chez tous les enfants ce qu'on appelle un sentiment d'incompétence acquis, qui fait que toute personne perd de la motivation. Donc vraiment, il faut respecter ça. Et plus l'enfant a des difficultés d'apprentissage, ben plus il va falloir l'aider pour qu'il soit dans ce ratio. Et puis par exemple, quand on parlait aussi des compétences sociales, ça peut être utilisé pour les compétences sociales. D'identifier les émotions chez les personnes, c'est très difficile. Donc ce qu'on peut faire pour les aider, c'est de leur expliquer concrètement dans quel état émotionnel on se trouve ou dans quel état émotionnel ils se trouvent. Et là, on peut aussi utiliser des supports visuels, comme des petites roues des émotions. Donc ici, on a une avec un petit garçon. Donc il peut être, voilà, il peut être gêné, il peut être mal, il peut être triste, heureux. Donc après, l'enfant, on lui explique au départ, hein, là, tu es heureux. Donc on lui met la petite aiguille sur l'image heureux et petit à petit, c'est lui qui utilisera cet outil pour exprimer son émotion, ou ici pour une petite fille. Travailler comme ça sur toutes ces émotions, c'est vraiment important. On sait que pour que l'enfant puisse, quand il va être plus grand, comprendre les textes, accéder à la compréhension de lecture, il faut travailler énormément sur les états mentaux. Donc, qu'est-ce que c'est que les états mentaux d'une personne? C'est ses émotions, d'identifier les buts et les raisons de la personne. Enfin, ce sont les moteurs de l'action. Oui, les moteurs de l'action. Décision. C'est tout le langage qui n'est pas verbal. Ça peut être verbal aussi, on peut verbaliser, mais de capter à travers le langage de la personne quels sont ses buts et ses raisons, quelles sont ses émotions et quelles sont ses croyances aussi. Et en fait, en compréhension de lecture, il faut être capable d'identifier ça chez les personnages. Et comment un enfant apprend ça? C'est parce qu'on lui parle, on lui explique ça au quotidien. Et ce qu'on peut constater, c'est que quand les enfants ont un handicap cognitif, les adultes ont tendance à se dire « mais je ne vais pas lui raconter tout ça, il ne va pas comprendre ». Or, si on est avec un tout petit bébé, parfois on va lui expliquer que son petit frère à côté, il est triste, ou il est en colère parce qu'il est fatigué, il a besoin de dormir. Donc on lui apporte des explications en fait, sur l'état mental du bébé. Et c'est très explicite. Et en fait, cet accompagnement, il faut le faire au quotidien avec les élèves avec autisme pour qu'ils développent au mieux leur sens social. Et que quand ils arrivent au collège, après aussi, ils puissent accéder à la compréhension de lecture sur des textes un peu plus difficiles pour eux. Très souvent, et encore maintenant, l'inclusion scolaire des enfants autistes, elle se réserve un peu à la maternelle. Pour des enfants, on dit c'est un contexte où ils vont apprendre le sens social, en fait. Et on a tendance à séparer les deux, à l'apprentissage du sens social et les apprentissages académiques. Et en fait, ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est que c'est l'apprentissage du sens social qui permet les apprentissages cognitifs. À un moment donné, oui. Et puis en plus, si on regarde la recherche au niveau de la compréhension de lecture, elle nous dit que pour tous les enfants, il faut insister énormément sur les états mentaux. Et c'est bénéfique aussi, du coup, pour tous les enfants. Pour les enfants avec autisme et pour les autres. Puis c'est pareil, quand Brigitte nous présentait tout l'apprentissage de la notion de temps, c'est pareil, ça se fait dès la maternelle, mais c'est essentiel pour accéder après à la compréhension d'une histoire, aux conjugaisons. L'école, dans son ensemble, que ce soit maternelle, primaire ou collège, il y a tout un ensemble de règles qui va au-delà du simple apprentissage académique de la lecture, de l'écriture, des mathématiques. Donc effectivement, l'accompagnement de la personne avec autisme dans le milieu scolaire pour une inclusion réussie, c'est aussi l'apprentissage de toutes ces règles. Ce n'est pas seulement apprendre à lire, à écrire, et etc. Donc les règles, elles peuvent être sociales, mais c'est effectivement tout ce qui est être rester en rang, lever le doigt pour répondre à une question, aller à tel endroit, à tel moment, etc. Et donc, ça, ce sont des compétences qui sont nécessaires. Et interagir avec les autres. Oui, oui, c'est pour ça qu'effectivement, quand on parle de règles, c'est vraiment les règles dans son ensemble, y compris les règles sociales. Donc, effectivement, tout ce qui est apprentissage des émotions, tout ça n'est pas indépendant, finalement. Tout ça est forcément relié d'une certaine façon. Comment ça se passe, l'apprentissage des compétences sociales dans le contexte de l'école? Être amené à faire du périgne avec les élèves de la classe, est-ce que pour employer ces mots-là, comment ça se passe concrètement? Impliquer les autres élèves dans l'accompagnement de l'élève en question et renforcer leur propre comportement à eux d'accompagnement, de faire attention à l'élève, d'initiation, d'interaction avec lui, etc. Tout ça, ça fait partie finalement d'un contexte
pédagogique propice en fait à l'élève avec autisme. C'est-à-dire qu'effectivement, là où on va travailler, à mon avis, le plus, au-delà des comportements spécifiques de la personne, c'est aussi sur les comportements des gens qui l'entourent. Donc, le comportement de la maîtresse, le comportement des autres enfants, le comportement de l'AVS, de l'AVSH, etc. Donc, à mon avis, là où on peut jouer le plus, c'est en mettant, par exemple, un système de points ou de récompenses ou de responsabilité des autres enfants par rapport à cette personne-là. Ce qui fait que là où on va agir, finalement, oui, la plupart du temps, oui. Puisque justement, ce qu'on va faire, c'est créer une motivation aussi chez eux à être responsable. Donc, le développement de la notion du respect de la différence, de la reconnaissance de la différence par ses enfants aussi, elle passe par le fait que l'adulte soit capable de gérer ces conséquences-là pour les autres élèves. Donc, tous les outils dont on parle aujourd'hui, au-delà de la personne avec besoin spécifique, ils sont tout à fait applicables et même, c'est même recommandé avec les autres enfants de la classe. Et c'est comme ça qu'on crée un contexte homogène et constructif. Moi, ça me fait penser à un exemple très concret qu'on peut utiliser en maternelle. On peut aussi, en regroupement avec la classe, dire aujourd'hui, qui est-ce qui va être le meilleur copain d'un tel ? Et ça implique peut-être d'aller le chercher quand c'est le moment de se mettre en rang, de l'aider à aller se mettre à table quand il faut faire le travail, ou diverses petites tâches qui sont pas forcément très très strictes mais qui du coup, enfin les enfants sont quand même extrêmement bienveillants à cet âge-là en maternelle, donc il faut vraiment en profiter à fond de cet âge-là et de cette bienveillance qu'ils ont pour les inclure dans toutes ces expériences sociales que l'enfant avec autisme peut avoir en maternelle. Et ils se sentent valorisés, en fait. Complètement. On a quand même besoin, dans ces dispositifs-là, de l'intervention d'une auxiliaire de vie scolaire, notamment si un enfant autiste a du mal, par exemple, à donner la main à un autre enfant. Alors là, on va déployer du coup des petites stratégies. On peut se dire, au départ, on va peut-être mettre un foulard entre vous deux. Vous allez tenir chacun un morceau. Et puis vous allez quand même être en rang à côté, mais vous ne tenez pas la main. Après, on raccourcit. On peut mettre, un petit objet entre les deux. Petit à petit, on va estomper justement tout ce vocabulaire qu'on trouve des professionnels de l'autisme va être vraiment applicable à l'école. Et on va pouvoir estomper l'aide qu'on apporte à l'enfant pour petit à petit arriver à ce que les deux enfants se prennent la main, se tiennent la main et finalement fassent le cortège comme tous les autres. Et là, l'AVS peut aussi mettre, elle, sa main. Il y a beaucoup de choses du coup d'inventivité à déployer pour avoir un objectif en tête et y arriver. Les AVS ont un rôle important à jouer pour faire des connexions, pour aider les enfants à décoder les autres enfants. Donc, ce qui est très important, c'est leur dehors de la classe, c'est les intercours, c'est la récréation qui peut être une source de souffrance ou de problèmes de comportement très importante chez les enfants autistes. Bien sûr, vu que c'est des endroits où il y a beaucoup de stimulation pour eux. Donc il y a beaucoup d'enfants qui bougent, qui crient, enfin il y en a de partout. Donc oui, nous on est là non seulement pour les rassurer, mais aussi pour les aider à essayer à aller vers les autres. Par exemple, on peut mettre en place un scénario social où on leur explique comment ça se passe dans la cour. Bon là c'est pour traverser la rue, mais ça montre un peu comment ça se passe. En fait, on voit tous les cas de figure. C'est-à-dire par exemple, comment je demande. Donc on dit voilà, est-ce que je peux jouer avec toi? Donc l'enfant dit oui, c'est cool, on va jouer, tous les deux. Et par exemple, l'enfant il dit non, qu'est-ce que je fais? Parce que malheureusement, ils peuvent... Donc c'est une guidance en images et en verbes sur l'enfant qui permet de se projeter dans son comportement. Voilà, un comportement positif à adopter dans tel ou tel cas de figure. Voilà. Et par exemple, l'enfant dit non, au lieu de m'énerver contre lui ou contre un autre, je vais, par exemple, je lui donne une autre option, je vais jouer au toboggan ou... On donne toujours des options positives derrière pour qu'en fait il trouve lui-même une solution pour aller jouer, pour faire autre chose. Il faut vraiment souvent aller découper en toutes petites étapes et puis les franchir une à une pour rester dans une construction positive de la relation à autrui. Donc de nouveau, on va essayer de vraiment prendre une compétence à la fois. Oui. Donc ça peut par exemple être un enfant qui va jouer avec un autre enfant. Là, c'est la chaise musicale. Les règles de la chaise musicale sont assez complexes. Donc du coup, on peut simplifier au départ la règle. On enlève par exemple pas les chaises. Et puis l'enfant, il voit combien de fois on va courir autour. Souvent, les camarades sont juste hyper contents de pouvoir montrer aux copains. De pouvoir enseigner. Oui, cet outil-là. Et pour eux, c'est juste facile.
de l'adopter et puis de voir, ben oui, ça marche. Quand je joue comme ça avec lui, ben, c'est positif, lui il est content. Et du coup, ben, le petit enseignant, il est content aussi. Mais c'est vraiment souvent par mini-étapes qu'on peut amener ce type de compréhension des relations sociales. C'est une démarche qui aussi est utile pour les enseignants dans un contexte de classe ordinaire. Le fait de fractionner les enseignements, est-ce que parfois on n'a pas tendance à décourager les élèves typiques, en exigeant d'eux trop d'un coup ? Ou de se conformer à un niveau moyen, idéal, à un profil d'élève unique ? Quelle que soit la séance, en mathématiques, en français, en sciences, être très clair sur la consigne au départ, sur la tâche à effectuer, sur les aides que les élèves peuvent trouver dans la classe, auprès des adultes, mais aussi dans les outils qui ont été construits. Et revenir également au fait que nous, enseignants, on travaille quand même à 80% pour les auditifs, alors qu'on a 80% de visuels dans nos classes. Donc là, il y a un léger décalage. Pensez à chaque fois à écrire la consigne pour des enfants qui ne sont pas encore lecteurs, à l'expliquer avec des pictogrammes, à montrer absolument les aides qui existent et quitte à les décrocher et à les afficher sur le tableau pour qu'elles soient visibles par tout le monde, pour vraiment les faciliter l'entrée dans la tâche et leur montrer qu'ils ont des aides et qu'ils peuvent réussir. Ça, c'est essentiel. Si par exemple, en maternelle, on n'enseigne pas à un élève ce que c'est qu'un mot, ce que c'est qu'une syllabe, un son, une lettre, ce que c'est que le début d'un mot, la fin d'un mot, il va vite être perdu. Donc il faut prendre le temps de faire un enseignement très très explicite de toutes ces petites notions. Et puis évidemment, c'est bénéfique aussi pour voilà, tous les élèves qui ne sont pas baignés chez eux dans ce bain de vocabulaire. Et autrement, je peux revenir aussi sur le social, parce qu'il y avait une petite stratégie qui est assez facile à mettre en place en classe et qui peut vraiment aider les enfants autistes à développer leur interaction avec les autres. Mais si par exemple les enfants vont jouer dans le coin Lego, on va faire en sorte par exemple de donner tous les Lego jaunes à un élève, tous les verts à un autre et les bleus par exemple à l'élève avec autisme. Donc s'ils veulent jouer ensemble, ils sont obligés de se faire des demandes. Et donc là, ça va favoriser en fait les interactions entre l'élève avec autisme et les autres. Donc ça, c'est à saisir. Il est obligé pour des raisons très concrètes de stratégie de jeu. De devoir parler. De devoir parler. S'il veut un Lego d'une autre couleur, il est obligé de demander, puis il va pouvoir voir les autres, si c'est les autres copains qui vont demander, puis qui vont obtenir. Donc il peut prendre modèle parce qu'il voit que les autres, ça marche. Donc c'est vraiment une petite stratégie, il n'y a pas besoin de matériel, il n'y a rien besoin, c'est de saisir le bon moment. Ah, on fait en sorte de répartir le matériel différemment entre les élèves pour favoriser leur interaction. Tout ce qui est utilisation de programmes de groupe, en fait, tout ce qui va favoriser la coopération, c'est par exemple, au lieu de délivrer du renforcement, quel qu'il soit, de manière individuelle et qui pourrait éventuellement créer une sorte d'envie, de jalousie chez les autres, etc., mais de favoriser justement ces activités de groupe pour que la personne avec autisme, pour que tout le monde ait accès au renforcement, par exemple, je ne sais pas, une activité très plaisante, jouer à tel jeu ensemble, etc., tout le monde doit réussir. Et du coup, ça encourage aussi les autres enfants à aller aider la personne qui est la plus en difficulté, et pas forcément d'ailleurs la personne avec autisme, mais n'importe quel élève. Ce ne sera pas forcément lui. Encore une fois, et l'objectif, c'est de dire, voilà, tout ce qu'on va mettre en place n'est pas forcément destiné à aménager l'environnement autour de la personne avec autisme, mais que tout ce qu'on utilise puisse favoriser une dynamique pour tout le monde dans la classe. Alors, j'allais y venir. Parmi un des freins à l'inclusion scolaire, il y a souvent aussi l'angoisse des parents d'enfants ordinaires qui sont dans la classe et qui ont très peur que la présence d'un enfant autiste accapare la maîtresse ou le maître et que ce soit du temps et de l'énergie qui soient retirés à leur propre enfant. Et souvent, ce sont des personnes qui eux-mêmes, en tant qu'élèves, ont souffert en classe d'un manque d'attention à leurs différences, même s'ils ne sont pas autistes et même s'ils n'ont pas de handicap. Et ce sont aussi des parents qui ont aussi des enfants qui peuvent souffrir d'un manque d'attention de la maîtresse ou d'une école qui n'est pas forcément toujours accueillante pour tous les enfants, quels qu'ils soient. Idéalement, la présence d'un enfant autiste dans une classe implique des enseignants qui soient ouverts à la différence et qui sont une bonne nouvelle pour tous les parents parce que ça implique à des enseignants qui vont développer des stratégies d'adaptation d'enseignement qui font que c'est une bonne nouvelle pour tous les enfants en fait. Tout à fait. Moi j'ai des exemples précis à nouveau en maternelle, mais c'est vrai que moi quand je me suis à titre personnel du coup petit à petit formée à l'autisme, j'ai découvert justement le TEACH, l'ABA, toutes ces techniques, toutes ces ouvertures pédagogiques qui du coup ont servi moi mes élèves notamment non francophones dans la classe ou les enfants qui sont ce qu'on appelle des petits parleurs. Tout ce qu'on pense et ce qu'on met en place pour un enfant autiste est immédiatement utilisable en classe avec les autres enfants, qu'ils aient des difficultés ou pas d'ailleurs. Mais c'est vrai que du coup ça marche encore mieux et encore plus vite avec des enfants qui ont aussi leurs particularités.
Mais voilà, mettre en place des supports visuels sur l'État pour savoir quel groupe travaille où, un enfant non francophone, il est ravi. Pouvoir visualiser le temps qui nous reste, tous les enfants sont ravis. Tous ces outils-là, ce n'est pas des gadgets, ça sert vraiment. Ça, c'est vraiment au service des apprentissages. Le temps, en tant qu'enseignant, qu'on investit à acquérir tous ces nouveaux outils et toutes ces perspectives pédagogiques, sont vraiment une grande richesse pour tout. Il y a un certain nombre d'enfants qui peuvent tout à fait passer les évaluations qui sont proposées dans le cadre scolaire, mais ils ont besoin de certains aménagements. Donc pour certains qui ont par exemple des problèmes graphomoteurs, pouvoir utiliser plutôt un ordinateur que de devoir écrire à la main, parce que rien que de tracer un chiffre en mathématiques, ça va lui prendre beaucoup de temps. Pour certains, c'est important d'avoir un peu plus de temps. Pour certains, c'est important d'être un peu plus isolé, donc d'être moins facilement distrait par l'environnement. Donc on peut avoir des aménagements. Pour certains, l'aménagement du contexte de la classe, qui est adapté au profil de l'enfant, au coup par coup. Oui, c'est pareil pour les instructions, d'avoir par exemple des symboles pour rappeler qu'est-ce que ça veut dire, entouré, souligné, etc. Pour certains enfants, quand ils sont dans un contrôle, on leur donne un exemple concret de ce qui est demandé, ben ça clarifie tout de suite. Comme des images, par exemple. Des images ou même des consignes. Là, par exemple, l'enfant, il a eu zéro à son contrôle, mais la consigne, c'était « cherche dans le texte les contraires des mots soulignés », et du coup, il a écrit les mots à l'envers. Donc, effectivement, aller de nouveau chercher le sens implicite, pour lui, c'était difficile. Mais il suffit du coup de donner un exemple, un enfant malheureux, un enfant heureux, et il a les compétences pour le faire. C'est juste adapter les consignes aux besoins de l'enfant pour qu'il comprenne ce qui est demandé. Il y a aussi un apprentissage des sciences de l'éducation par rapport au handicap, par rapport à l'autisme. C'est quelque chose qui est récurrent en ABA, en TIC, tout ça, c'est miser sur les compétences de l'élève. Les mauvaises habitudes qu'on a, c'est de mettre l'emphase sur les difficultés, sur la situation d'échec. Alors que là, ce qui est fondamental au niveau des sciences de l'éducation, c'est de dire on va d'abord construire à partir des compétences de l'élève au lieu de souligner ses faiblesses. C'est tout le statut de l'erreur, en fait, en pédagogie. Voilà. C'est-à-dire partir de ce qui est positif, de ce que l'enfant sait faire et dédramatiser l'erreur. On se trompe tous et quand on apprend, forcément, il y a des échecs et des écueils. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Où est-ce qu'il s'est trompé? Comment on peut reprendre? Comment on peut l'aider? Donc ça, c'est une philosophie qui fonctionne quel que soit le niveau de classe, en maternelle, en élémentaire, avec des enfants autistes, avec des enfants qui ont d'autres troubles des apprentissages. C'est savoir ce qu'on fait de cette erreur, la dédramatiser et surtout s'appuyer dessus pour dépasser. Dans les approches pédagogiques, on a très souvent pu constater que l'enseignement est le plus efficace quand on est proche des potentiels de l'enfant. On parle des capacités émergentes. Du coup, on s'inscrit forcément dans une pédagogie positive. On n'est pas trop éloigné de ce qu'un enfant peut fournir à un moment donné. On essaie vraiment de partir de ce qui est actuellement accessible s'il interagit avec son environnement de manière positive. Donc on est vraiment dans ce domaine. On construit pas à pas sur du positif, absolument. Petit pas par petit pas tous les jours. Et quand on va petit pas par petit pas tous les jours, finalement on va beaucoup plus vite et beaucoup plus loin que si on exige des enfants qu'ils aient un niveau moyen, unique, indépendamment de ce qu'ils sont, oui, et de ce qu'ils savent. Et on évite le sentiment d'échec. Et voilà, c'est ça. Et donc on évite de créer de la phobie scolaire. De créer de la phobie scolaire. Des élèves qui n'y arrivent jamais. Absolument. Oui. Et ça, c'est pour tous les enfants, c'est pas seulement pour un enfant avec autisme. Dans le cas des troubles du comportement, c'est très flagrant ça, en fait, puisqu'effectivement, chez certains enfants avec autisme, certaines personnes avec autisme, les troubles du comportement, ils sont très visibles quand on parle, je sais pas, de stéréotypie motrice comme le flapping ou effectivement renverser sa chaise, renverser sa table, partir en courant. Forcément que ça attire le regard et que la première chose qu'on va vouloir faire, c'est faire stopper ce comportement chez la personne. Mais la personne, elle n'est pas 100% du temps en train de faire ça à l'école. Donc effectivement, c'est un changement de posture à adopter plutôt que de se dire « Oui, bon, on va gérer momentanément ce trouble du comportement qui gêne la classe, qui gêne l'apprentissage. » Mais la stratégie surtout, ce n'est pas de focaliser là-dessus, mais c'est d'accentuer les moments où la personne n'est pas en train de s'engager dans ces troubles du comportement et qu'elle est bien assise et qu'elle attend bien. Et oui, elle a bien levé le doigt pour demander de l'aide. Alors, ce n'est pas toujours parfait, mais... C'est justement en renforçant ces petites approximations au fur et à mesure qu'on arrive à développer des comportements qui sont très adaptés en classe. Mais en tout cas, de vraiment avoir cette posture à la base
de se dire, alors, on va se focaliser sur ce que la personne sait faire et de quoi on peut partir pour augmenter ses compétences. Comment utiliser les stratégies, par exemple, de l'ABA pour éviter de renforcer des comportements négatifs chez un élève qui n'est pas forcément un élève autiste? Parce que les plus perturbateurs de la classe, très souvent, sont des élèves tout à fait ordinaires. Et ce qui est frappant, c'est que dans l'enseignement traditionnel, souvent, les enfants ont plus une attention personnalisée sur leur personne et sur leur travail lorsqu'ils sont en situation d'échec ou lorsqu'ils sont en train de retourner la classe, que lorsqu'ils réussissent. Je parle de tous les enfants. Bien sûr, effectivement, la seule différence, encore une fois, entre une personne neurotypique, un enfant neurotypique, un enfant autiste, c'est les troubles du comportement ne sont pas inhérents à l'autisme. Ils sont différents en termes de forme et de degré, d'un enfant neurotypique qui, lui, va jouer avec sa gomme, jeter son crayon en l'air, faire des avions en papier. L'enfant avec autisme, il va quoi ? Il va se mettre à faire effectivement des mouvements répétitifs, de renverser sa table, etc. Mais en termes de à quoi ça sert et pourquoi ils arrivent ces comportements-là, on a exactement le même type de variable. J'ai pas assez l'attention de la maîtresse alors que ça fait, je sais pas, 3 minutes que j'ai fini mon exercice et qu'elle est toujours pas venue me voir. Je m'engage dans autre chose. Des enfants qui apprennent à chercher l'attention de la maîtresse par des comportements inadaptés, effectivement, parce que à ces moments-là, elle lui porte attention, et même si elle le met au coin ou qu'elle lui fait copier des lignes ou quoi que ce soit, c'est une forme d'attention qui serait susceptible de renforcer. D'où l'importance de ne pas renforcer malgré soi des comportements inadaptés. Encore une fois, mais tout est individualisé. Ouais. Donc il faut bien sûr savoir à quoi est dû ce comportement à un moment T dans un environnement donné. On ne peut pas dire, bon, à chaque fois qu'il fait ça, on ignore, etc. Ce n'est pas du tout mon propos. Mais en tout cas, voilà, de chercher, et ça peut se faire en équipe, effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure avec les parents. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui se passent à la maison qu'on peut retrouver à l'école, etc. Ça, c'est vraiment très important. Je voudrais dire mon opinion sur une attention, genre je regarde dehors. Ou... Voilà, moi, j'ai pu remarquer avec les enfants que j'ai accompagnés que souvent, en fait, ils regardaient dehors, mais en fait, ils étaient très attentifs à ce qu'ils se disaient. Donc en fait, il faut, c'est très subtil en fait quand on est AVS ou même instituteur, faut être très subtil à ça, parce qu'on pense que justement il est inattentif. C'est parce qu'il regarde pas le professeur dans les yeux. Voilà. Qu'il est pas forcément inattentif. Voilà, au contraire, il y a des fois ils ont besoin justement de détourner leur regard, de regarder ce qui se passe dehors, ou même de regarder son camarade, tout ça, et en fait. On voit qu'ils intègrent bien les choses quand même. Moi, mais pour avoir filmé plusieurs fois dans des salles de classe, je me suis rendu compte que très souvent, les enfants autistes, pour être dans le positif, sont beaucoup plus attentifs à ce que disent le professeur que les enfants neurotypiques, qui vont être très sensibles à toutes les informations sociales qu'il y a dans la classe. Dès qu'il y a un petit copain, une petite copine qui est en train de faire un truc socialement, voilà, de perdre l'attention, ça peut partir en riz. Le gamin autiste, il est focus sur le prof. Le temps d'attention moyen d'un enfant de 7 ans, c'est 7 à 8 minutes par jour, par journée de classe. Alors ça nous fait beaucoup relativiser ce qu'on essaie de leur apprendre, sachant que ce n'est pas les 7 et même 8 minutes. Oui, voilà. Tout le monde ne s'attend pas au même moment. Alors effectivement, il y a des enfants qui ont besoin de marcher, de se lever, qui écoutent quand même la consigne. Dans la mesure où ça ne perturbe pas le groupe, c'est aussi quelque chose qu'il faut accepter quand on est enseignant. Un enfant autiste a aussi des particularités sensorielles, des besoins parfois, qui nous font penser qu'il n'écoute pas, qu'il n'est pas attentif, mais en fait ils ont besoin de ça. Un moment de regroupement, par exemple en maternelle, c'est très long, il se passe beaucoup de choses, c'est pas toujours, il y a parfois des moments de flottement. Donc rien n'interdit aussi à un enfant qui a peut-être besoin d'une petite balle à presser ou alors, un objet sensoriel par exemple ou aussi se dire peut-être que s'il regarde par la fenêtre peut-être qu'il n'écoute pas mais peut-être aussi il a besoin de ça pour être attentif. Il y a beaucoup d'autistes Asperger qui nous disent si je vous regarde dans les yeux c'est pas bon signe, c'est que je vous écoute pas par exemple. Parce qu'ils ne peuvent pas faire les deux à la fois. Voilà, au niveau du traitement de l'information c'est compliqué d'avoir deux canaux qui fonctionnent en même temps. On n'a pas nécessairement besoin tellement de renforçateurs si la matière elle-même, elle est intéressante. Et c'est ce que nous, on réalise. Je veux dire, nous tous, je pense qu'on a choisi notre profession parce qu'on aime faire ce qu'on fait. Et pour les enfants avec autisme, si on arrive à capter leur attention parce qu'on est près de leurs intérêts restreints, ils ont des intérêts restreints, mais on peut vraiment utiliser ces intérêts restreints comme appui pédagogique. Là, j'ai par exemple un exemple d'une petite fille qui adore les pirates et on lui a enseigné à faire des soustractions avec des images de pirates. Donc il y a les pirates qui sont sur le bateau et puis il y en a certains qui tombent dans l'eau et puis je compte ceux qui restent sur le bateau. Donc le fait d'être dans un centre d'intérêt restreint spécifique, ça permet d'avoir une concentration très forte,
persévérance très forte aussi. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui vaut pour tous les enfants. Absolument. Donc capter les 7 minutes et que ce soit vraiment profitable, c'est quand on est proche des intérêts des enfants. Quand Star Wars est sorti, on nous a montré certaines écoles, certaines classes où ils ont travaillé la physique autour de ces épées magiques. Voilà, et ça marche. Ouais. Ça marche aussi pour des adolescents neurotypiques. Quels seraient vos souhaits pour aller plus vers l'avant, vers une école inclusive ? De la formation des professionnels et d'inclure les parents, en fait, dans la trajectoire et dans le projet scolaire. Le fait d'avoir une communication fréquente et pas seulement deux ou trois fois par an aux ESS pour prendre une décision, c'est vraiment, à mon avis, primordial. Mais c'est vrai que la formation, c'est essentiel, parce que quand on arrive et qu'on n'est pas formé, même si on veut bien faire, on fait des erreurs. Et donc c'est vraiment important que l'Éducation nationale mette quelque chose en place pour mieux nous former, pour qu'on soit de meilleurs professeurs pour ces enfants. Il faut vraiment continuer à créer cette synergie vraiment entre les parents, les enseignants, les auxiliaires de vie scolaire. C'est vraiment, et on a les consignes de l'Éducation nationale qui vont dans ce sens, donc il faut y aller vraiment franchement. Mais c'est vraiment en se mettant tous ensemble, en se formant aussi tous ensemble, qu'on pourra réussir ce défi. Un vrai travail d'équipe, effectivement, avec l'AVS, l'enseignant, la psychologue, la psychomotricienne, orthophoniste, pas uniquement lors de certains moments dévolus, très régulièrement, faire le point, accepter de parler de ce que l'on fait, des échecs, des réussites, et puis être humble et savoir que toutes les expériences des autres vont nous servir en classe pour cet enfant qui a besoin de nous et qui a besoin de progresser. Pour moi, ce qui paraît vraiment très important dans cette école inclusive, c'est de soigner les différences, de ne pas tendre vers une normalisation, mais de profiter des différences des uns et des autres. Dans Teach, on parle souvent de la culture de l'autisme, et je pense que c'est des personnes qui peuvent nous apporter un autre regard. Ils pensent différemment, et ça peut vraiment être une richesse. Et je pense que c'est pareil pour d'autres enfants qui ont des différences. Justement, ne pas vouloir absolument gommer ce qui est différent, mais faire profiter les autres de ces regards différents. Dans une pédagogie qui, du coup, s'ouvre un petit peu à ces différences. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir partagé votre expérience, votre pédagogie avec enthousiasme. N'hésitez pas à partager cette émission. Merci. 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 Merci.